Bonsoir la famille, mille excuses, mille excuses, mille excuses, mille excuses. Vous savez que votre monsieur propre est très 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 occupé en ce moment. Vous savez que quand on met les affaires en marche, on est très très occupé. Je m'excuse énormément. Je vous demande seulement de partager. Mille excuses. Je n'ai pas honoré l'heure du rendez-vous. Mais le plus important, c'est que je sois là. Donc, venez partager massivement. Les PTT, je ne vous vois pas encore. Les justiciers ne sont pas encore là. Ah, pur Japap. Bonsoir, Purja Pape. Tisandra, l'Ébène d'Afrique. Christelle Boussongou. Hervé Corneli depuis Londres. Bipez-moi pas, ma. Qu'elle amène son mauvais visage ici. Je lui avais interdit de parler de mes affaires. Le plastique qu'elle a mis entre les jambes, c'est pas moi qui ai posé ce plastique. C'est pas moi qui ai posé ce plastique. Je lui ai dit de parler des histoires d'un tiki tui et ne pas parler de mes histoires. Je ne me balade pas avec les cacas dans les fesses. Yiditi ou un komaka, le mauvais visage là. Bipez-me là ici. Bipez-moi cet animal de la forêt. Bipez-moi cette monstruosité de la... Je ne sais pas où est-ce qu'elle est née. Qu'elle vienne ici. Qu'elle comprenne qu'elle et moi, on n'est pas pareil. Je ne suis pas dans le mensonge. Quelqu'un qui ne sait pas laver ses fesses quand elle fait caca, elle se balade avec les caca partout dans les fesses. Elle vient rentrer dans mes histoires. Bipez-moi cette connerie, cette erreur humaine ici, s'il vous plaît. Bipez-me, c'est-à-dire allez me réveiller cette chose, ce tas de graisse. Allez me réveiller ça qu'elle vienne ici. Elle va comprendre que on n'est pas du même acabit. On n'est pas du tout du même acabit. Bipez, s'il vous plaît, le temps de partage. Anne-Marie depuis Ndokoti en place. Ndokoti en place. John Mouraï, Yomna, Yindi Tibi ou Nkomaka, elle vient me parler. Toi et moi, on est pareil. Toi et moi, on est pareil. On t'a dit que quand je fais caca, j'utilise le papier. J'utilise de l'eau. Bullshit. Bipez-me là. Elle va seulement m'écouter. Je vous ai dit que quand je veux rentrer dans la bouche, je rentre. Et je sors de là, je me lave. Je suis monsieur propre. La raclure ne peut pas me salir. Parce que vous êtes une bande de menteurs, de manipulateurs. Votre dénominateur commun, c'est le vol et le mensonge. Je vous ai dit ça. Et rien ne peut changer ça. Et je le prouve à tous les coups. Et je le démontre à chaque fois. C'est-à-dire, quand on vous écoute, qu'on sache qu'on est en train d'écouter les menteurs, les voleurs et voleuses, et les wakas. C'est tout ce que vous êtes. Vous n'êtes rien d'autre. Regardez comment vous ressemblez tous. Laide, vous êtes tous laides comme les avis de décès. Regardez vos visages. Tous des ambulances. Des ambulances, c'est-à-dire vous baladez avec vos cercueils sur la tête. Et vous voulez que je vous finisse. Je vais vous finir. Moi, je vais vous finir. Est-ce que je vais vous donner le lait? Est-ce que moi, je vais vous donner le lait? Qui vous a dit ça? Je suis monsieur propre. Quand j'ai envie de faire du sale, je le fais. Et avec des sales. Parce que vous êtes la raclure de Facebook, vous ne représentez rien. Que du mensonge. Vous créez des blogs pour le mensonge. Je vois même certains-là, vraiment, qui ont de la peine même à manger. C'est-à-dire, si c'est des Michael Jackson, les visages comme les singes. Vous me parlez? Est-ce que vous me pouvez? Mamma mia. Partagez, s'il vous plaît. Partagez.
On va y aller. On va y arriver. Je ne vois pas encore les PTT sur la place. Je ne vois pas encore les justiciers. On vous a dit que tout le monde doit lécher vos conneries là. Restez avec les gens qui t'utilisent. Parlez de vos choses. Tu viens parler du mariage. Tu t'es déjà marié dans ta vie? Sors une photo de mariage. Sors une seule photo de mariage où tu t'es marié. Je me déconnecte de Facebook. Les gens qu'on épouse en cachette, on t'a déjà doté, on t'a déjà aimé. Ta pauvre vie que tu mettais à bien d'accompagner les gens pour faire les partout. Qui t'a déjà aimé? Une chose comme ça là, Yiditibi, tu sais laver tes vestes? Tu es venu ici avec le papier machin dans les fesses. Même les serviettes de toilette, tu n'as pas. Tu te balades avec le papier dans les fesses. Toi, tu viens me parler. On a chié dans ta tête. Attends, on a chié dans ta tête. Bah, regarde-moi une ordure comme ça, là. Donc, quand on achète le téléphone aujourd'hui, on l'ouvre et on dit n'importe quoi. Mi bi mi na mi lang, vous tous. Mi bi. Tout ce monde, t'as dit vous tous, la blébi, djongbibora, mi bimi na mi na mi lang. Vous ne représentez rien que du mensonge. Vous n'avez jamais la preuve de ce que vous dites. Vous avez organisé des teams de mensonges. Et moi, ne mens pas sur moi. Je sors, je fais ce que j'ai envie de faire. Quitte à plaire à certains ou pas, c'est moi, je m'appelle Jean-Luc Messan, monsieur Pro. C'est comme ça. Quand je dis, allez vérifier. Et quand ces raclures-là parlent, allez aussi vérifier. Menteur à midi, menteur le soir, menteur dans la nuit. Vous ne faites que ça. Et vous venez me parler. Partagez. On n'a pas encore commencé. Hein. Partagez. Moi-même, je partage. Mince. Bonjour, voilà. Le Djongbougon qui ne servait à rien. Vous n'avez pas de mari. Vous n'avez pas de choses à vous occuper. Vous n'avez pas vos choses à parler. Moi, quand j'ouvre mon téléphone, je ne parle pas des gens. Quand j'ouvre mon téléphone, je parle de mon sujet à moi, qui ne concerne personne. Vous ne savez pas le faire. Vous vivez par rapport aux autres. Surtout toi, la laide chose là, qui passe le temps à avaler les pertes blanches partout là. Regarde ta langue quand tu parles. Même la langue, tu ne sais pas la racler. Regarde ta langue quand tu parles. Tout est laid sur toi. Tu pues le mbunga. Tu as dormi chez moi. Tu as laissé l'odeur du mbunga au moins pendant une semaine. Toi, tu parles quand je parle. Quelqu'un qui n'a pas où dormir. Quelqu'un qui ne sait pas ce qu'on appelle. C'est-à-dire, qui ne sait pas ce qu'on appelle avoir un contrat de bail. Tu parles avec moi. Tu es normal. J'ai dit que je ne répondais plus, hein. Mais il y a des gens ici, là, comme toi, c'est que je n'ai pas compris. Comme toi, John Moura, tu es même quoi, Moura, mon homme? Hermaphrodite, tu es même quoi? Tu es un homme, tu es une femme? J'ai préparé ton plastique, là, je vais arracher ça en public. Je vais arracher ça pour te montrer qu'on n'est pas pareil. Faut rester de l'autre côté. Le plastique là ne te fait pas passer pour quelqu'un qui est comme moi, on n'est pas pareil. C'est un plastique. Tu ne peux pas te comparer à moi. On n'est pas pareil. Reste avec tes gens là-bas. John Young, tu parles à qui? Tu crois que on va dire que mais ça insulte les femmes? J'insulte les John Boubora, je vais vous insulter tous les jours. Vous ne représentez rien. Vous avez perdu l'honneur de la femme. Vous avez perdu l'intégrité de la femme.
Vous êtes des objets. Vous ne servez à rien dans la vie. Celles-là qui se font entretenir dans des chambres, qui deviennent des chats et des chiens. Attends, c'est-à-dire à coup d'argent, on te fait devenir un animal de la brousse et tu veux te comparer aux êtres humains. Bullshit. Petite menteuse, voilà. Vous mentez à qui? Vous mentez à qui? Je vous ai dit que mes histoires, quand vous voulez parler, dites la vérité. Ne venez pas avec le mensonge dans mes histoires. Parce que je suis là pour remettre l'église au milieu du village. Vous ne pouvez pas mentir sur moi. Il y a comment les appeler? Il y a des choses que je vois qui traînent là. Quand on les voit, on se demande si elles mangent même. C'est-à-dire, je n'ai pas envie de me déverser sur ça parce que je risque d'être accusé de meurtre, quoi. Parce que vraiment, des gens, j'ai de la peine. C'est-à-dire, quand tu vois quelqu'un vivre misérablement et s'occuper des gens qui sont assez aisés, vraiment, on n'a pas envie de porter le malheur des vauriens. Tu peux me parler, moi. Quand tu n'es même pas à ma cheville, tu parles de moi. Pendant que tu cherches à manger, moi je mange à ma siété. Pendant que tu cherches le lit, je choisis les lits. Pendant que tu parles de maison, je choisis les maisons. Tu parles alors de la femme, j'ai la plus belle. C'est-à-dire, à quel moment toi, tu peux t'asseoir, tu parles de moi, à quel niveau? C'est-à-dire, à quel niveau, toi et moi, on a quoi de pareil? Ou d'à peu près? Quand vous venez même vous asseyez, je vais parler de Missam. Sur quelle base? Mais dis donc la vérité. Et quand tu ne connais pas, ferme ton cabinet. Wehinda Mourani, c'est-à-dire, Wehsou, sous le pona, Devanou Wadjou. Je vais t'apprendre à passer. Quand tu entends parler de moi, tu passes. Mes affaires ne te concernent pas. Parce que moi, je ne t'ai jamais... Moi, je suis seulement là pour répondre. C'est la différence. Moi, j'attaque jamais. Jamais. Mais je réponds. Donc, faites un tour de partage. Moi-même, je partage en même temps. Les bêtises là. Chacun ira faire ça dans son coin. Maintenant, on va dire les choses. Toi, Tchouga, Steiner, Tchouga, Migrage, Léonine, je veux que tu me portes plainte. Parce que toi et moi, on doit passer au tribunal. Et comme ça, on découvrira qui tu es. Parce que quand on passe au tribunal, on sait qui tu es. Quand vous mentez ici sur la toile ce que vous êtes, je vais démontrer aux Camerounais que tu vis chez ta femme. Tu vis chez le mari de ta femme. Je vais passer au tribunal avec toi. Je dis que Tchouga, tu es une voleuse le matin, voleuse le soir, tu ne fais que ça. Va me porter plainte. Ou si tu veux comme moi, je te porte plainte. Viens sur la toile, dis que Jean-Louis est sans procédé. Je te porte plainte. Parce que moi, je vais t'amener au tribunal. Parce que je veux faire découvrir aux gens qui tu es. Tu n'es rien du tout. Tu ne représentes rien que du bluff. Que du bluff. Un avocat même, tu ne peux pas payer. Un avocat, tu ne peux pas payer. C'est pour ça, tu dois toujours parler à gauche. On te donne un 200 euros. À droite, on te donne un 200 euros. Mais toi-même, tu n'es rien. La vie que tu montres sur la toile, c'est du bluff. J'ai dit que Tchouga Léonine, Shiner, tu es une voleuse. Tu volais à Konengi. Va me porter plainte, je vais le prouver. Tu es venu chez moi, tu as volé. Tu es venu chez moi avec le papier hygiénique dans tes fesses. Le papier hygiénique, tu as mis dans ma chasse d'eau, ce n'est même pas passé. Parce que c'était dur avec ton mauvais sang.
Toi, tu viens me parler quelqu'un qui met le papier génique dans les fesses. Chuga Léonine, alias Parma Trimobé. Je veux que toi et moi, qu'on aille au tribunal. Parce que là-bas, on va découvrir la personnalité, ta sombre personnalité. Je dis bien, ta sombre personnalité, on va la découvrir. Menteuse patentée. C'est ça la différence entre vous et moi. Moi, je dis et je montre les preuves. Quand vous dites aussi, montrez les preuves. Arrêtez de mentir. Partagez la famille. Partagez. Moi-même, je partage en même temps. Partagez. Je vais vous expliquer la stratégie de ces sombres personnages. Mais bien sûr que c'était le suit-tout. C'était le suit-tout. Quelqu'un a ses gnagnas, elle met le papier et elle me parle. Elle parle à Jean. Mais je demande, vous, qu'est-ce qui commence à parler même dans votre tête? Laissez-moi boire de l'eau. Partagez. Est-ce que Parma est là? 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 Ma petite soeur complaisante, on ne t'en fait pas. Je ne réponds pas aux gens qui se cherchent. Les gens qui se cherchent, qui ont faim. Les gens qui ont faim, là, que je n'ai jamais, que je ne connais pas. Je ne réponds pas à ces abrutis, là, d'une autre espèce. C'est pas mon truc. Est-ce que je réponds à tout le monde? J'ai mes gens ici sur la toile. Ils se connaissent. J'ai mes gens ici. C'est que j'ai pas compris. C'est que je ne suis pas au courant. Je me lève. Je te mets à ta place parce que je réponds pourquoi parce que c'est des menteurs. Celle-là, sa pauvre vie ici à bien, on la connaît. Elle a rendu un mec tétraplégique, c'est-à-dire criblé de dettes. Chuga Léonine. Chuga Léonine Steiner, alias Trimobé Parma, tu as rendu ton mec tétraplégique à cause des dettes infinissables. Toi, tu viens parler à un mec. Tu as déjà eu la charge de qui dans ta vie? Depuis que tu es né, tu as déjà eu quelle charge dans ta vie que tu t'occupes des gens? Tu as déjà fait quoi à qui à part voler? Tu as déjà fait quoi à qui à part extorquer? Tu as déjà fait quoi à qui à part mentir? Je vous ai dit la dernière fois que
Nous sommes à la veille de 2025. Il y a des groupes qui se sont créés juste pour faire affluence. Quand tu es en direct, ces groupes viennent. Et ces groupes-là, c'est ces gens qui ont décidé de détruire le Cameroun. Et c'est ces groupes-là qui font cette parma que vous voyez là. C'est-à-dire, quand vous voyez les gens connectés chez elles, c'est ce monde-là. Comme elle est partie de la basse, elle s'est ralliée. Elles ont, vous savez, il y a la crise, il y a les cellules du village. Ce que je vous dis là, comprenez bien ce que je vous dis, c'est très important. Parce que elle, tout le monde sait qu'elle ment. C'est-à-dire, on ne devait même pas la suivre. Mais comme c'est la sœur du village, et quand c'est pour détruire le Cameroun, parce que 2025 approche, il faut commencer à préparer ce genre de sombre personnage. Parce qu'elle ne représente, elle a déjà fait quoi? Depuis que vous êtes là sur la toile, dites-moi ce qu'elle a fait de positif. Nous, on a fait les dons. Nous, on a fait les dons. Nous, on a arrangé les problèmes sur la toile. On a trouvé des solutions pour des gens qui se battaient. On a trouvé des solutions pour des femmes qui ont même perdu de l'argent dans les réunions. On a parlé avec les présidents. On les a fait asseoir. On a trouvé des solutions. Dites-moi ce qu'elle a déjà fait. Si ce n'est pas pour parler de la sexualité des artistes. Si ce n'est pas pour mentir sur le gouvernement. Si ce n'est pas pour mentir sur nous autres. Elle a déjà fait quoi de con? C'est-à-dire, quand vous la suivez, vous sortez avec quoi? Et vous avez vu la stratégie. Regardez toutes ces femmes-là. Ces Djomboubora que j'appelle. Parce qu'elles sont toutes pareilles. Elles ont déjà un dénominateur commun. Elles sont toutes laides. Laides comme la vie de décès. Moches à mourir. Deuxième dénominateur commun. Tous sentent la salité. Toutes sentent la salité. Vous connaissez la cheftaine de la salité dans la bande. Et la distance même de l'écran, ça pue. C'est une bande de perdus qui ne sait que parler du mensonge. Quand vous les suivez, pourquoi vous ne leur demandez pas des preuves de ce qu'elles avancent? Vous suivez les gens qui mentent. Il vous manque quoi faire? Je vous ai dit que ici, c'est la page de Monsieur Propre. Rien ne m'interdira d'insulter les Djomboubora quand j'ai envie. Quand tu es John, tu ne représentes plus rien. Tu n'as plus aucune valeur. Donc, à tout moment, on peut... C'est-à-dire, dites-moi quel honneur on peut donner à quelqu'un qu'on enferme dans la maison. On te dit de devenir un chien, un chat, un animal. On te donne quel respect? On te donne quel respect? Toi, le Trimobé. Toi, le Trimobé, Yindi Tibi. Tu te balades avec les cacas dans les fesses. Tu mets le sopalin dans les fesses. À marcher dans toute la journée. Tu sais les odeurs que ça représente? Quand tu enlèves ça? Est-ce que tu connais les odeurs que tu mets autour de toi? Djongyo Mahili. Tu viens me parler? Quand tu viens même faire ton Facebook, tu te mires avant. Ta bouche là qui ne retient pas le crachat là. Tu ne sais pas arranger ça. Un culte comme il n'est pas permis. Même un papier, tu ne peux pas lire. Tu as lu quoi? Tu as un papier devant toi. J'espère que ceux qui te suivaient ont compris que tu es, c'est-à-dire, plus bête que toi sur la terre, il n'existe pas. C'est-à-dire, tu ne sais pas ce qu'on appelle une phrase française. On te donne un papier. Tu ne peux pas lire et tu me parles. Parle en banganté. Parle plus en français. Tu ne sais pas parler français. Il est noir. Il est Kembe. Il est John. Tu ne représentes rien. Ne parle plus en français. On va traduire. Ceux qui te comprennent vont traduire. Tu as compris? Bullshit. Partagez. Hein? Partagez. Hein? On n'a pas encore commencé. On n'a pas encore commencé à partager. Hein? Merde. Donc vous ne pouvez pas me laisser
gérer les affaires de ma femme. Mais je vais vous dire une chose. Quand monsieur Bessan fait quelque chose, je mets là. Je suis né comme ça. Donc sachez que vous ne me prenez pas le temps. Parce que ce qui est fait là, ce qui doit faire, ce qui doit être fait, c'est fait. Est-ce que, do you understand me? Vous ne me perdez pas le temps. Vous avez compris? Moi, j'ai le temps. Quand je veux, c'est Madame Bessan qui n'a jamais le temps. C'est pas son truc. Mais moi, quand je dis qu'aujourd'hui je prends le temps, je le prends et je vous explique vos conneries. Comprends? Voilà. Partagez. Partagez. On va commencer. Partagez, on va commencer. Pama, tu n'es pas au courant que la Star Maison a sorti une gamme de produits? 4 gammes. Hein? 4. Parmi lesquelles, une gamme caramel. Ta peau de crocodile. Ta peau de crocodile qui est sale. Je vais t'offrir une gamme caramel. Tu vas l'utiliser. Les gens vont voir le changement ici. Les gens vont voir comment est-ce que tu es sale et comment est-ce qu'on est en train de te changer. C'est-à-dire cette gamme-là, tu n'as pas vu ça? Ces 4 gammes? Ou ça te fait très mal au cœur que tu ne sais pas par où commencer? Ça, tu n'as pas vu ça? Tu as seulement vu le temps à raconter des mensonges. Tu n'as pas vu que la Star Maison a fait ce qu'on appelle le ho-ha. Elle est en train de révolutionner le cosmétique. Tu n'as pas vu ça? Ça, tu n'as pas vu ça? 4 gammes, la sortie officielle, c'est le 15 octobre. Jomura, je vais t'offrir la gamme caramel. Ta peau, là. Moi, je ne veux plus voir ça sur la toile. Tu vas te laver de gré ou de poste. Comme tu es comme une chienne. Parce que le chien n'aime pas l'eau. Comme tu es comme une chienne là qui n'aime pas de l'eau, je vais te laver et te oindre de cette gamme là. Tu vas l'utiliser de gré ou de force. Parce qu'on en a marre de la saleté. Parce que toi, ta saleté transperce l'écran. Ceux qui te regardent constatent ton niveau élevé de saleté et de toute votre bande. Vous tous, vous priez. Rinoum, Bebo Basso. Il y a les vidéos, non? Il y a les vidéos, non? Il y a les audios, non? On dit que toi, tu sens. C'est moi qui dis. Quand j'ai mis la main là, j'ai su que tu sentais. Tu es sale. Tu ne te laves pas. Quand tu te laves, tu ne sais pas laver tes fesses. Tu ne changes pas de caleçon tous les jours. C'est moi qui parle. Vous êtes de la saleté incarnée. Et comme vous êtes sale, vous ne savez que mentir. C'est tout ce que vous savez faire. Vous n'êtes que dans le mensonge. Pour que ces personnes qui vous ressemblent vous suivent, vous devez mentir. À une certaine époque, Le Pen disait, ou Bernard Tapie disait, si Le Pen est un menteur, tous ceux qui votent pour Le Pen sont des menteurs. Il n'y a que les menteurs et les menteuses qui vous suivent. Regardez même vos soutiens qui sont autour de vous. Regardez les soutiens de Jean Lumessan. Tous des PTT. Tous des PTT. Avec toute l'intégrité, le respect de la personne. Elles ne sont pas dans le désordre comme vous. Regardez les gens qui sont autour de moi. Vous ne savez pas prendre des exemples? Quand vous me parlez, mais regardez ne serait-ce que ceux qui sont autour de moi. Est-ce qu'elles vous ressemblent? Est-ce qu'elles ont raté l'éducation de leurs enfants? Est-ce qu'elles ne sont pas mariées? Elles dorment seules? Est-ce qu'elles vont pas, elles vont pas travailler? Est-ce qu'elles passent le temps à voler? Parce que Waka, je vous ai expliqué, une Waka, pour être une bonne Waka, faut être une bonne voleuse.
et une bonne menteuse. Et regardez donc autour de ces gens. Il n'y a que ces personnages. On voit les coups de vol ici tous les jours. Qui m'a déjà accusé de vol ici et apporté les preuves? À part vos histoires que vous inventez, qui? Il n'y en a pas. Je suis monsieur propre. Mais ce soir, j'ai décidé de descendre dans la gadoue. Parce que celle-là qui a la peau du crocodile, avec les cacas dans les fesses, Yindi Tibi Wankomaka, tu crois que toi et moi, on est pareil. Regarde ton mauvais visage. Regarde le mien. Dans ta vie, quel homme t'a déjà assumé? Tu parles des histoires de mari et femme. Dans la vie, quel homme t'a déjà assumé? Tu as déjà eu un homme dans ta vie qui t'a assumé? À part ton masque de Kenyan là que tu as. Ce dossier encore, c'est dans la peau. J'attends. Tu sais que toi et moi, c'est la réplique. C'est là où tu parles que je te suis seulement. Tu le sais. Moi, je n'ai pas deux stratégies avec toi. Quand tu commences, je te suis là où tu as commencé. Donc ton masque Kenyan là, son dossier au frais. Bien au frais. J'attends que tu glisses. J'attends que tu glisses. Je vais te faire ça. À l'endroit, pas à l'envers, à l'endroit, pour que tu comprennes que je te connais. Et tu sais que je te connais. Tu te rappelles comment tu es rentré en Europe, non? Tu te rappelles de la matière là, non? C'est-à-dire, comme tu es bête. Comme tu es bête. C'est-à-dire, toi, ta bêtise dépasse même. C'est-à-dire, comme tu es bête, tu ne fermes pas ta poubelle que tu appelles bouche. Là. Je vais aller très loin. Je vais aller très loin. Moi, j'avertis toujours. Hein. Je vais aller très loin. Je vais aller très loin avec toi. Parce que ton mensonge, tout le monde en a marre. À part tes adeptes de menteurs. C'est-à-dire, tout le monde en a marre. Parce que ta petite vie, je dis qu'il faut que toi et moi on aille au tribunal. Là, ils comprendront. On va encore me donner une fois de plus raison. Parce que moi, je suis monsieur propre, tu ne peux pas le changer. Je dis, Tchouka Steiner, Léonine, voleuse à temps plein, menteuse patentée, tu as volé chez moi. Je peux le prouver. J'ai dit ton nom, non? Steiner, Tchouka Léonine, va porter plainte, je veux qu'on aille au tribunal. Si je perds, je vais payer. C'est pas la prison, c'est l'amende. Je vais te payer. Tu ne peux pas. Tu as l'argent pour prendre un avocat. Le petit salaire que tu as dans ton usine de montre là, tu as un salaire pour payer un avocat. Quelqu'un qui ne peut pas payer un loyer, tu peux payer un avocat. Toi, tu peux payer un avocat. Moi, je ne paye pas d'avocat. J'ai une assurance juridique. Tu as compris ce que ça veut dire? J'ai ce qu'on appelle une assurance juridique. Donc je les appelle, je dis j'ai un problème. Ils vont aller là-bas. Je ne sors aucun frais. Tu viens te comparer à moi. Bébayom Souel Nouradjou. Quelqu'un qui cohabite, tu parles avec le propriétaire, on est pareil. Quand tu cries avec ta femme, et son autre, tu appelles les gens vieillards. Et pourtant, tu es autour des vieillards. Ton mari, un vieillard qui est tétraplégique. Le mari de l'autre, un vieillard. Quand vous criez à toi dans la chambre, pendant que ton mari Steiner dort à côté, il a ses trucs sur lui. Il dort avec ses couches, il dort avec ses conneries. Vous criez à côté, vous vous amusez à côté. Tu crois que toi, tu vas échapper? La vie que tu as rendue à ce monsieur-là? La vie que si ce monsieur-là a eu 4 AVC, c'est à cause de toi. Il a eu ça parce qu'il vivait bien. Viens-t-il pourquoi tu es allé 2 ans au Cameroun? Viens leur expliquer pourquoi tu as fait 2 ans au Cameroun. Dans une chambre que tu ne pouvais même pas payer. Vers la prison de Koningui. Que tu ne pouvais pas payer. Celle-là que je ne donne pas encore le nom. Tu logeais au Cameroun, elle t'a foutu dehors avec les sacs poubelles. Tu es venu ici errer à manger là-bas vers Delémont. Tu ne peux pas raconter ta vie au lieu de parler de moi. Pourquoi tu t'es retrouvé à Berne? Viens expliquer pourquoi tu vis chez M. Schneider.
Parce que je rappelle même, tu as dit ici que... tu as dit ici que... J'étais parmi ceux qui voulaient qu'on te prenne au Cameroun. Si j'avais mis mon pied dedans, on t'aurait pris. Je n'étais même pas au courant. Mais si ces gens m'avaient contacté pour donner ton... Parce que la plainte que j'ai vue, ce n'est même pas ton nom qui est dedans. Donc on ne pouvait même pas t'inquiéter. Ils ont fait une fausse plainte, ce n'est pas ton nom. Ils ont mis dedans Jordan Schneider. Tu ne t'appelles pas Schneider. Tu t'appelles Steiner. Schneider, c'est le nom de ta femme. C'est ta femme qui est Maureen Schneider. Toi, ton nom, c'est ton mari que tu as rendu tétraplégique qui est dans la maison là. C'est Steiner. Ça n'a rien à voir. Ils se sont trompés sur tout. Et on ne pouvait rien te faire. Mais si moi, j'avais été dedans, tu sais que je te connais. J'ai tout ce qu'il faut pour t'attaquer. Avec toi, n'importe quelle heure de la nuit, quand je me réveille, je t'assomme. Donc ceux-là qui t'ont porté plainte, ils ne m'ont pas demandé. S'ils m'avaient demandé, on t'aurait arrêté. En vrai. Parce que tu as été là-bas, tu as dit, c'est pas ton identité. Et tu avais raison, c'est pas ton identité. Tu ne t'appelles pas Schneider. Tu t'appelles Steiner Tchouga Migrange Léonine. C'est ça ton nom. C'est pas Schneider. Tu as compris? Va me porter. Je veux que toi et moi, on a la justice. Là, tu sauras qui je suis, pas le mensonge que tu dis. Ok? Pas le mensonge. Et moi, je viendrai seulement attester tout ce que j'ai dit au public. Parce que la plainte, toi et moi, ça va être le ho-ha. Ça va se passer ici en live. Parce que moi, j'adore les menteurs. J'adore avoir des problèmes avec les menteurs. Parce que moi, je suis du côté de la vérité. Et tu ne pourras pas le contredire. Petite voleuse. Moura ouip. Non, pour eux, mais. Moi, non, je ne vais pas me ouiper. Moi, non, je ne vais pas me ouiper. On t'a déjà dit que je me balade avec les cacas dans les fesses. On t'a dit que je me nettoie avec le sopalin. Une femme qui ne sait pas ce qu'on protège, Sylvie, elle prend le sopalin, elle met dans les vestes quand elle a ses gnagnas. Un bédou. T'as dit, bête de somme, noua moni. Bête de somme, noua moni. Tu sers à quoi? Tu sers à quoi? Dans la société. Quand tu t'assois, tu dis, écoutez-moi. Qui t'écoute? C'est les animaux comme toi. Tu as pris le truc la dernière fois, incapable de lire. Ils n'ont pas vu ça. Ils ont bien vu ça, non? Ils ont compris ton... Ils ont vu ton niveau. Ils ont vu le niveau que tu avais. Ils ont compris. C'est-à-dire ceux qui ont un petit truc là dans la tête ont compris que Benjamin a une jomion. Il vient parler personnage comme nous. Parle de quoi? Tu parles de quoi? Tu peux me parler de quoi? Partagez, s'il vous plaît. Je vais dérouler. Partagez, s'il vous plaît. Je vais expliquer à la chose là ce qu'elle n'a pas compris. Ok? Parce que moi, je suis un homme loyal. Je vous ai toujours dit que je suis légaliste. Et un légaliste ne parle pas de n'importe quoi. J'ai lu un commentaire là. J'ai lu un commentaire là qui dit que je ne suis pas marié. C'est mon père qui disait que Bijon Biekon. Bijon Biekon. Moi, mes sangs. La vie que vous voyez là de Jean-Louis Messang, il n'est pas marié. C'est-à-dire quand on est bête. Comment est-ce que je dois vous expliquer? Vous allez comprendre. Vous êtes bête. Vous allez comprendre comment. On est en Europe au 21e siècle. Pour savoir si quelqu'un est marié ou pas. Est-ce que c'est... On a besoin de faire de la mathématique? Qu'est-ce qu'il y a de plus simple que ça?
Moi, mes âmes. Et je vais vous rappeler une chose. Ceux qui sont venus ici, hein, la sonnerie, là, ces familles, mes âmes, hein, ils ont vu. Faut qu'ils vous disent, quand vous êtes une bande de menteurs et de menteuses, vous ne pouvez même pas. Vous avez le mensonge. Au tribunal. Au tribunal. On a dit monsieur et madame. Mais ils ne peuvent pas vous dire ça. Parce qu'ils aiment alimenter le mensonge. Et un petit renseignement. Mes enfants, portent mon nom. Et ils sont européens. Est-ce que vous avez compris? Mes enfants portent mon nom. Et ils sont européens. Ça aussi, c'est facile à vérifier, non? Puisque vous connaissez les lois, vous ne connaissez plus les lois. Mais Jombigwom. Jombigwom. Vous savez seulement parler, vous ne savez pas vérifier. Moi, quand je parle, je vais à la source. Vous parlez seulement sans vérifier. Je vois les gens qui viennent avec les têtes comme les masques de je ne sais pas quoi. C'est-à-dire, si tu les rencontres dans la nuit, tu vas fuir. Bah, couri. Bah, ils ont téléphone, bah, capote. Bah, couri. Vous parlez de quoi? Quand vous n'avez pas de sujet, fermez vos poubelles. Quand vous n'avez pas de sujet, fermez vos poubelles. Vous ne pouvez pas. Je suis trop prêt pour la vérité. Quand c'est la vérité, je vous prends toutes. Parce que je ne parle que de John Bobora. Parce que c'est vous qui venez ici parler. Je dis que mes enfants s'appellent mes sangs. Et pas autrement. Celui qui doute, je mets 5000 euros. Comme l'autre petit esservelé qui est venu faire le toutou ici avec les Waka. Quand vous voyez quelqu'un s'entourer de Waka pour avoir du soutien, vous comprenez déjà le niveau. Moi, je n'ai pas besoin de soutien, mais je suis très bien entouré. C'est ça la différence. Quand je viens là, je viens seul, hein, mais je sais que je suis très bien entouré. Mais je n'ai pas besoin que ces personnes s'agitent pour moi. Non. Mais je suis bien entouré. Mais quand tu vois un écervelé, un petit agité, un tintin qui va partout là comme un démon en liberté, il se balade partout. Quand il veut du soutien, il s'entoure de Waka. Vous comprenez le niveau? Une Waka peut t'amener quoi? Elle vole ou elle ment. Elle ne représente rien d'autre. Qui va te respecter? Tu t'entoures de Waka. Personne. Prenez référence sur Jean-Luc Messant. Regardez autour de moi. C'est là où vous allez comprendre si on est pareil ou pas. C'est tout. Pour le reste là, c'est du pipi de chat. Comme vous, on ne vous a jamais doté. Trimobé, le monsieur qui est tétraplégique, là. Tchouga, Steiner, que tu as rendu tétraplégique parce que ton gros cœur, parce que ta copine, que j'étais encore le nom, dont tu as dérobé la boîte de nuit, qui n'a tenu que 9 mois, où tu as envoyé Steiner faire et des crédits qui aujourd'hui le tuent à petit feu, parce qu'il ne peut plus les rembourser. Endetté à vie, il va mourir avec les dettes. Tu ne vas hériter de rien du tout. Rien, parce que déjà il n'avait rien. Et le peu qu'il pouvait avoir, tu l'as mis là où il est. Au lieu de t'occuper de lui, de l'accompagner doucement, tu viens dans les réseaux nous polluer le réseau avec ta mauvaise odeur et ton mauvais visage avec les caca dans les fesses. Tu ne sais pas laver les fesses, tu viens nous parler. Tu nous encombres. On n'a pas besoin de toi. On n'a pas besoin de toi. Personne. Ce monsieur Steiner, à cause de la boîte de nuit, parce que tu veux faire comme les autres.
Et pourtant, tu n'es pas les autres. Tu es un petit personnage ridicule dans le monde, non seulement du showbiz, mais partout où tu passes. Parce que même ceux-là ou celles que tu appelles tes amis se moquent de toi. Tu es ridicule. Français, tu ne sais pas parler. Allemand, tu ne sais pas parler. Tu représentes quoi en Suisse? Tu représentes quoi? Tu travailles dans une fabrique de monde. Si tu as trop, tu as 4000 francs. Si tu manques, on fait un pari. On met ici. C'est pour ça que je vais t'amener au tribunal. Parce qu'au tribunal, je saurai tout. Au tribunal, là-bas, on ne cache rien, tout ça. Juste pour le mal, je préfère payer une amende. Je dis que Djouga Léonine, tu es une voleuse. Tu as volé chez moi, les Guinness. Va porter plainte. Va porter plainte. On va se présenter au tribunal. On va parler. Tu as ouvert ta sale bouche hier que quand tu voulais me porter plainte, c'est quand j'avais pour parler des partis. Je dis que tu as les caca aux fesses, Djouga Léonine. Tu es sale. Je m'en ai dit. On dit, je te le dis, va porter plainte. Tu sauras que ce que j'ai dit de moi, c'est ce que tu verras là-bas au tribunal. Mais ce que toi tu dis ici, je dis que tu ne peux même pas me porter plainte, tu sais. Parce qu'on va te découvrir. Murama Hindi, lui t'aimait tout le temps. Le visage que nous autres, quand je dis nous autres, nous sommes peu sur la toile. On les compte au bout de doigts qui ont fait des plaintes ici, des citations directes. Et ces personnes qui ont fait des plaintes ou des citations directes comme moi, c'est des personnes clean. Parce qu'on ne cache rien. Parce que ce qu'on vous a dit, c'est ce que nous sommes. C'est ce que vous allez trouver là-bas à la justice. Et vous, les menteuses, vous ne pouvez pas venir dire ça comme ça. Nous qui portons plainte parce qu'on est sûr de nous, parce qu'on ne manque pas dans les réseaux, parce qu'on sait que ça va se retrouver dans les réseaux. C'est ça. Quand on va au tribunal, on sait que la finalité du tribunal, c'est que ça se retrouve dans les réseaux. Et quand tu as menti, on saura. Donc je dis que Steiner, Djouga Léonine, tu es une voleuse, va me porter plainte. On va au tribunal. Si je ne prouve pas que tu es une voleuse, je vais payer l'amende. Et au moins, je saurai qui tu es. Tu sauras qui je suis. Et comme ça, tu iras dire aux autres que ce qu'il leur disait là, il est vrai, pas ce que vous racontez. Parce que là-bas, quand on arrive, on sort nos civilités. Tu es quoi, marié, célibataire, enfant, profession, tu gagnes combien? Tout ça sort là-bas. L'autre pauvre et ridicule est arrivé là-bas, au tribunal. Les gens qui gagnent le, si c'est le RCA ou le RCA, RCA ou quand vous dites là. C'est vraiment des gens ridicules comme ça. Ça parle ici sur la toile. On va parler de quoi? On va parler de quoi? À quel niveau? Sur quelle base? Sur quelle base? Sur quelle base? Chouango Marini Bonon. Bonon, j'ai dit que Goué Bonon, à partir d'aujourd'hui, apprend à racler la langue. Quand tu te brosses le matin, la langue, on la racle. Regarde ce qu'il y a. Quand tu parles, regarde la langue, il faut la racler. Ça pue comme tes fesses que tu ne laves pas. J'ai dit ça. Je dis que ta bouche pue comme tes fesses que tu ne laves pas. C'est comme ça. Celui qui n'est pas content, tu dis ce que tu as envie de dire. Je m'appelle Jean-Louis Messan, monsieur propre. Bonjour, Numki, Boyon, il dit. C'est tout. Je te le dis et je l'assume. Tu n'es pas content. Allez, hop, tu dégages. Je ne suis pas dans le mensonge. Et on ne ment pas sur ma personne. Djouga, Djouga, quand tu viens t'asseoir, tu parles de moi. Djouga, Ndelo Yena Bebasu, tu parles de moi. Tu te bases sur quoi? De toi, moi. Dis-moi, ta crédibilité est à quel niveau quand tu parles de moi, surtout dans le mensonge? Dis-moi un peu. Tu te bases sur quoi? Tu crois que quand tu vas mentir, je vais gober ton mensonge? Ou bien, je
sais pas où alors, tu es sûr que les gens vont gober ton mensonge. Quand vous avez votre salle, vous avez... quand je vous dis que c'est une bande de menteurs et de menteuses, de manipulateurs, regardez la stratégie. Hein. Regardez la stratégie. Quand ça fait les lives, envoyez. Envoyez dans les forums Congossa. Envoyez dans tous les Congossa. Envoyez dans tous les pages Congossa. Qui écoute le Congossa? Il n'y a que de la raclure qu'on veut. La mère de celle qui ne représente rien dans la société. Quel est le noble Camerounais qui écoute Congossa? Congossa, c'est qui? Le nom déjà t'explique qui est la personne, qui est le journal. Vous comprenez? Vous n'arrivez même pas à cacher votre stratégie. Oui, mais dans les pages de Congossa. Mais alors, quand toi, tu penses que tu as une page, je parle de toi, Tchungang, qui a les caca dans les fesses. Tu te balades avec le chopalin dans les fesses. Quand tu dis aux gens, partagez dans les trucs de Congossa, c'est pour passer quelle information? Tu informes qui? Quel est le Camerounais noble, intelligent, qui écoute Congossa, qui regarde Congossa? Vous voyez, quand vous êtes à un petit niveau, moi, je n'ai pas besoin de Congossa pour parler. Do you understand me? Sur cette page, j'ai des vidéos de 2 millions de vues. Sur cette page. Donc, on m'écoute. On me regarde. Je n'ai pas besoin de Congossa. Congossa, c'est qui? Le nom seulement. Je ne m'associe pas à ce genre de nom. C'est de la bêtise. Mais vous vivez de ça. Vous voyez donc votre petit personnage. Béba sous individu. Tu as compris ça? Tu as compris à quel niveau toi et moi ne pas pareil? Vous toutes là, vous avez compris? C'est ça votre refrain. Mettez dans les pages de Congossa. Partagez partout dans les pages. C'est le journal. Pourquoi vous ne dites pas partager à la CRTV ou à Canal 2 ou à Equinox? Page de Congossa, c'est quoi? Bande de raclure de mes... Je dis toi, ta bouche sent comme tes mauvaises fesses. Tu vois comment tu es noir et laid. Imagine là-bas. Avec les cheveux qui tournent, qui sont crevus comme ça. Tu es sale. Tu es sale. Ne parle plus devant les gens. Trimobé de ton état. Parle plus devant les gens. Faut te cacher. Surtout moi, parle plus de moi. Parce que tu fais que mentir sur ma personne. Ne manque pas sur ma personne. Je suis là pour remettre l'église au milieu du village. Pourquoi tu ne parles pas des quatre gammes de la star? Pourquoi tu ne parles pas de ça? C'est un truc de femme, non? Tu as dit que tu fais de la promotion, non? Ça ne t'intéresse pas. Tu as mal. Le cœur fait mal. Non, on ne l'attendait pas à ce niveau. Non, ce gars nous a tués. Tu ne peux pas venir montrer ça en public. Ce que tu montres, c'est le mensonge. Va visiter les quatre Gambia, une pour toi. Le 15, je vais t'offrir une. Gamme caramel. Ça va te laver. C'est-à-dire, toi, tu vas servir, tu vas être l'égérie de la star beauty. Que tu le veuilles ou pas. Parce que ta noirceur et ta laideur sur la toile, on va montrer l'autre côté. Tandis que c'est sur toi que ce produit va agir en premier. Et tout le monde verra. La tchouga d'avant et la tchouga d'après, Bomura. La tchouga d'avant et la tchouga d'après, Yidibi Tibi Wankomaka. La tchouga d'avant et la tchouga d'après, Beba Sou Ndibjou. La tchouga d'avant et la tchouga d'après, bête de somme, Nouramoni. Tu ne représentes rien. Tu es zéro dans la vie de. C'est-à-dire, sur la toile, tu n'apportes aucun message positif. Tu n'éduques personne. Tu ne sers à rien. Il est noir. Avant de venir parler de moi, de te rasseoir pour parler de nouveau de moi, tu as expliqué à tes gens-là qui te suivent comment est-ce que tu es 25 ans dans la musique et tu es seulement âgé de 40 ans. Avant de venir t'asseoir de nouveau, tu leur as expliqué un peu ça? Les menteurs qui ne savent même plus ce qu'ils ont dit hier. Quand vous vivez que dans le mensonge, c'est le mensonge qui fait de vous ce que...
Tu as expliqué aux gens avant de venir parler de moi que tu as 25 ans de musique et tu as 40 ans d'âge. Tu leur as expliqué comment ça se fait. Et vous qui la suivez, vous avez réfléchi un peu pour voir quel état de personne vous écoutez. Et quand on les appelle les binouas, c'est les mêmes binouas de Bora qui viennent dire qu'ils insultent les femmes. Qui insultent les femmes. Il est noir, il est kembe. Tu n'es pas une femme. Tu es un animal de la brousse, tu ne représentes rien. Tu mens à la société, tu représentes quoi? Tu voudrais qu'on tire quoi de toi? Qu'est-ce qu'on va tirer? Quand on vient te suivre, on va tirer quoi? Le mensonge. Pourquoi je ne dois pas te dire que tu ne représentes rien? Tu es bête comme tes mauvais pieds. Tu représentes quoi? Quand tu es venu t'asseoir, tu leur as expliqué avant que tu as pompé les oreilles des gens ainsi que tu as 25 ans dans la musique et que tu es âgé de 40 ans. Tu leur as expliqué ça? Tu leur as expliqué que tu es venu ici leur dire que j'avais parlé à ma star d'enlever la plainte. La star m'a écouté, elle a enlevé la plainte. Tu leur as expliqué que ta star a été condamnée? Que la star n'a jamais enlevé une plainte et que toi, tu ne peux même pas lui demander ça parce que tu n'es pas de ce ressort? Tu ne fais pas partie de son sac, de ceux-là qui peuvent lui donner des conseils? Quand tu viens mentir sur le dos de tes amis même, ceux-là qui te suivent, tu leur as expliqué, tu es venu t'excuser au moins. Voyez alors, voyez l'état de mensonge. Voyez à quel niveau vous êtes. Et vous vous comparez à nous. Et vous vous asseyez, vous parlez de monsieur propre. Parlez de monsieur propre. Qui a une femme qui sort 4 gammes, qui révolutionne le cosmétique. Vous parlez à un homme qui a une femme qui a mis sur pied, c'est-à-dire la transformation du cosmétique. Les écervelés, les gens qui ne ressemblent à rien, se baladent partout comme des démons. Vous allez dire quoi? Vous voulez savoir quoi? Jean-Louis Vessin est marié. Langibinebinazout. Biao. Et Kakminkan. Regardez-moi ça. Parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Vous pouvez m'apprendre quoi? Vous pouvez me dire quoi? Je suis au-dessus de vous tous. T'as dit, je suis là-bas et vous êtes là. Et vous n'arriverez jamais là-bas. À l'allure où vous passez plus de temps dans le Congo, ça, vous n'arriverez pas. Dites une fois la vérité. Dites une fois la vérité, on va vous écouter. Demain, vous allez dire qu'il a insulté les femmes. Bidjong, Bouboura, je vous insulte tous les jours. Vous qui êtes Bidjong là, quand j'ai le temps, je te rappelle que tu es Djong, tu es nul à chier. Tu le présentes bien. C'est tout. C'est tout. Et je te promets, à part ce que Kameni t'a dit, la prochaine fois que je te rencontre, si tu ne me portes pas plainte avant, c'est ce jour-là qu'on va faire la plainte. Je vais, c'est-à-dire, c'est ici que je vais t'arrêter. Je vais tirer ça. Je vais tirer ça comme ça. Parce que toi, tu dis que tu es un homme, non? On va se faire entre hommes. C'est les montagnes qui ne se rencontrent pas. Mais les êtres humains, on se rencontre. Je vais arracher ton plastique, là. C'est-à-dire, tu n'as jamais vu ça. Mais toi, je vais te faire ce que je n'ai jamais fait à personne. Tu peux être sûr de moi. Que ce plastique-là, je vais l'arracher. Et j'irai là où, on ira là où on doit aller. Tu m'as dit que tu as les vidéos, non? On a les vidéos. On va jouer sur les vidéos. Et s'il y a un problème, on a tous des clés. On a tous des vidéos. On va jouer sur les vidéos. John Yom, tu viens parler de moi. Tu as pris un papier que tu ne peux pas lire. Un papier, tout le monde te regarde, tu es incapable de lire et tu parles de mes sangs. Parlant de procès,
En parlant de procès, hey, Seigneur. Moi, je peux perdre un procès. Un légaliste. Dites-moi si vous voulez que je parle du procès. Écrivez. Si vous voulez que je parle du procès, écrivez. Parce que les menteurs, les menteuses, les manipulateurs, je vous ai dit que je suis votre paracétamol. T'as dit, quand vous mentez et que ça m'intéresse, je viens, je vous mets au pas. Moi, je ne traîne pas dans les réseaux comme vous. Mais quand vous mentez trop, là, je viens. I go do you ça. Sec. Comme Webo Omura. La prochaine fois, tu viens t'asseoir sur la toile. Chunga. Rassure-toi que tu as enlevé le papier, le sopalin dans tes fesses. Rassure-toi que tu l'as enlevé. Et que tu as nettoyé tes fesses à l'eau, pas au papier. Parce que quand tu prends le papier, tu fais ça. Quand tu fais ça, ça ne part pas. Ça s'étale. Et une femme utilise de l'eau. Vous êtes des amis. Vous, là, vous vous connaissez. Les bas 2 jours sans se laver. Les bas 3 jours avec le même slip. Bande de saleté. Racaillerie de la racaille. Poubelle de la poubellerie. Puanteur de la puanterie. Moche de la mocheté. Vous êtes quoi? Vous représentez quoi? Waka. Voleuse. Menteuse. Vous représentez quoi? Est-ce que vous voulez que je parle du procès? Je n'ai pas encore lu. Vous voulez que je parle du procès? Accentuez les partages. Parce que ça, c'est la partie intéressante. Ça, c'est la partie intéressante. Et vous allez me suivre attentivement. Cette partie-là est intéressante. Et vous allez me suivre attentivement. Trimobé, la Nabi Basuna, viens écouter. Pas les mensonges. La vérité qui se vérifie. Dans le sens, la vérité qui se vérifie. Parce que je sais que les gens qui m'aiment bien, il y en a qui se sentent mal. Il y en a qui se sentent un peu rabaissés. Vous ne pouvez pas. Nous sommes forts. C'est nous qui sommes forts. Nous sommes avec les menteurs. Nous sommes avec les manipulateurs. Ça manipule tout. C'est pour ça qu'on prend le temps. J'aurais pu intervenir depuis une semaine. Non, je prends le temps. Je consulte les vraies personnes. Quand j'ai la vérité, la vraie, je parle. C'est comme ça que ça se passe. On ne se précipite pas dans la vérité. On prend le temps de parler. De dire la vérité et d'envoyer aux gens d'aller vérifier et de comprendre que ceux-là qui passent devant vous, qui racontent des conneries, qui partagent des conneries, c'est des mains. De toute façon, le Trimobé, c'est une fille qui vole depuis l'âge de 9 ans à Kondengui. On l'appelait Tolo. Ça veut dire la souris. Ça veut dire Ayaoundé est doux. On l'appelait la souris et doux, Tolo. Elle volait les tôles. Elle courait plus que tout le monde. Tu ne pouvais pas l'attraper. Elle a commencé le vol dès le bas âge. Elle est venue en Europe quand elle travaillait à Vienne. Quand l'argent disparaissait de la poche des clients, c'est elle qui volait. Parce qu'elle, on l'appelait seulement pour les partous. Comme elle était moche. Même les clients ne la voulaient pas. Il n'y avait aucun client qui la voulait. Tu te rappelles quand tu travaillais chez la feu Sarah? Tu te rappelles? Maman Sarah, bien, tu te rappelles? Qui te voulait là? C'est quand il y avait une partout qu'on t'appelait. Tu ne savais que y a ça? Tellement, c'est-à-dire quand on te voit même aujourd'hui, tu as dit, il y a un petit, mais à l'époque, ou bien pour on en courir. Quand on te voit, on court, on fuit. T'as dit quand on te rencontre, on fuit. Qui te voulait? Aucun homme ne te voulait. Dans toutes ces maisons que tu es passé là, tu servais de sparring partner. Quand on a besoin de 3 ou de 4,
On t'appelle. Le seul homme que tu as eu dans ce circuit-là, c'est M. Steiner, le seul. Le seul. Et il est venu pour essayer, parce qu'il était encore... C'est-à-dire qu'il ne connaissait pas les femmes. Il est venu, la première femme qu'il est tombée dessus, comme la maman la savait que tu n'as pas les papiers, elle a tout fait pour que tu te maries à ce monsieur que tu as rendu tétraplégique aujourd'hui. Quelqu'un qui t'a donné la vie. Toi, tu l'as amené dans le vol. Le millionnaire. Tu l'as mis dans les crédits, les dettes. Il est en train de mourir avec le mal au cœur aujourd'hui. Est-ce que tu as expliqué à tes amis qui te suivent que la maison où Steiner est là, ce monsieur Schneider, la maison où vous habitez tous là, ce monsieur Schneider, le mari de ta femme, le mari de Maureen, ta femme, là où vous habitez là, est-ce que tu as dit à tes amis que l'État vous donne de l'argent pour entretenir Steiner? Parce que normalement, il devait être dans une maison de retraite. Et comme ça coûte plus cher à l'État, vous avez proposé à l'État que nous, on va l'avoir à la maison et vous nous donnez une pension. Vous leur avez... Tu expliques ça aux gens? La petite voleuse, là. Tu as une vie tellement ridicule, tu viens parler des gens sur la toile. Est-ce que tu leur as expliqué ça? Est-ce que tu leur as expliqué ça? Je parle de Djuga Léonine Steiner. Est-ce que tu leur as expliqué que ce monsieur-là, on te l'a accroché sur le dos? Tu dis que tu es marié, non? Tu dis que tu es marié, non? Pourquoi tu n'habites pas avec ton mari? Question. Répondez-moi. Elle dit qu'elle est mariée, non? Moi, j'habite avec ma femme. Moi, j'habite avec ma femme dans notre maison. Pourquoi toi, tu es avec ton mari dans la maison de la femme de ton mari? Expliquez-moi ça. Je bois un verre d'eau. Et je vais vous parler de la plaine, parce que nous, on ne ment pas. Quand on parle, on vous parle avec des preuves. Et on voudrait que vous alliez les, vérifier. Posez la question au Trimobé. Elle est mariée, non? Chaque mari vit avec son mari dans sa maison. Pourquoi elle vit dans la maison de la femme, du mari de sa femme? Trimobé. Tibi, Indi, Wenkomaka, Bebasu. Je bois de l'eau. Alors, elle vous a répondu pourquoi elle vit avec le mari de sa femme? Pourquoi elle ne vit pas avec son mari dans leur maison? Pauvre femme, tu viens parler de moi. Et pourtant, tu sais que je te connais. Tu parles de moi, d'un homme qui vit avec une femme dans leur maison. Un homme qui va en vacances avec sa famille. Qui se déplace avec son luxe, quel que soit l'endroit où il est. Un homme qui a une femme qui ouvre 4 gammes de beauté, qui révolutionne le monde du cosmétique. La saleté, tu viens parler? Tu me dis quoi? Toi et moi, on est comme... Parce que tu as mis le plastique, mais carayo, mais pario, le plastique. Mais pario, je te dis ça. Là où mes bomawe, mais pario, plastique. Tu verras que, avec moi, c'est pas comme ça.
J'ai les moyens de ma politique. J'ai dit que toi et moi, on va aller au tribunal. Tu as dit que quand tu voulais, non? Je te donne l'occasion maintenant de le faire. Fais-le maintenant. Si tu ne sais pas le faire, toi fais un direct. Tu dis que Jean-Luc Messant, tu es un proxénète. Je te colle une citation directe. Moi, je te le dis. Je te lance un défi. Ouvre ton téléphone. Tu dis Jean-Luc Messant, tu es un proxénète. Je te colle une plainte. Oui. Parce que moi, je veux aller au tribunal avec toi. Parce que je veux. C'est-à-dire, je voudrais faire comprendre aux gens qui tu es. Tu es une menteuse de la pire. T'as dit, tu es une menteuse qui n'a plus son pareil. Comme tous ceux qui vous entourent. Vous êtes dans les soutiens des menteurs et des menteuses. Vous voulez que je parle du procès? Vous voulez que je parle du procès? Alors, les amis, partagez donc, parce que ça, c'est important. Vous êtes assez nombreux pour faire le maximum de partage. Parce que maintenant, vous allez suivre la version originale que vous allez vérifier. Pas la version du mensonge. Vous n'allez pas écouter les menteuses. Vous allez maintenant m'écouter. Et celle-là, vous allez la vérifier. Un, il n'y a jamais eu de procès. Écrivez, hein. Est-ce que vous avez fait les partages? Est-ce que vous avez fait les partages? Est-ce que vous avez fait les partages? Est-ce que vous avez fait le partage? On a dit que Jean-Luc Messant a perdu le procès. Regardez-moi. 1,90 m. Fort en haut, fort en bas. 1,90 m. Fort en haut, fort en bas. Je peux perdre un procès? Seigneur. Ceux-là qui s'agitent que Jean-Luc Messant a perdu un procès, pourquoi vous ne vous agitez pas à parler des 4 gammes que Mme Messant a sorties? Ça ne vous intéresse, vous ne voyez pas. Là-bas, vous avez les yeux fermés, vous ne voyez pas ça. Vous ne voyez pas la révolution du monde cosmétique, hein? Vous allez avoir le mal. Vous allez avoir le mal. Mais c'est là. Ou bien ceux qui disent que je ne suis pas marié. Quand on fait une citation directe, chères dames et messieurs, quand on fait une citation directe, c'est juste, c'est-à-dire, j'imagine quand même qu'autour de vous, vous avez des gens qui ont un peu étudié, peut-être qui connaissent un peu le droit, un peu. Ok? Quand on a fait une citation directe, monsieur et madame, ok? Quand on a fait une citation directe, on vient avec son acte de mariage. Ok? Quand vous êtes Doumkoff, allez encore vous renseigner. Quand on a déposé une citation directe au nom du couple, on vient avec son acte de mariage. Do you understand me? Ok? Ok? Et pour votre gouverne, une femme qui vit du social ne peut pas ouvrir une entreprise à son nom. Do you understand me? Je ne peux pas parler en toutes les langues. Je peux parler en bassa si vous voulez. Vous allez peut-être comprendre. Pour ceux qui comprennent bassa. Vous avez compris? Jusqu'à ce que ma femme ouvre son entreprise. Ok? Je suis le seul salarié de cette famille. Et je m'occupe de ma famille. C'est-à-dire de façon qu'on ne peut plus expliquer trop clair. Mais juste que vous êtes des menteurs. Vous vivez du mensonge.
Vous n'utilisez pas vos têtes pour travailler, pour réfléchir. Je dis cette autre chose. Quand on va au tribunal en Europe, surtout quand tu pars d'une ville pour une autre, d'un pays pour un autre, on vous demande tous vos papiers. Quand vous venez d'eux, on vous demande, vous êtes marié, monsieur, c'est ça la procédure. Et où sont les papiers? Ok? Et c'est les papiers européens qu'on valide. Vous êtes bête à chier. Mais vous ne savez pas où demander si on est marié ou on n'est pas marié. Vous faites des équations à troupes, triples inconnues, comme si vous étiez à l'école. Vous étiez à l'école pour faire des équations. Vous étiez à l'école pour réfléchir. Mais faites même travailler la sagesse du village. Vous demandez que quand même on est en Europe. La façon qu'on voit, c'est... Mais attends, hein? J'ai entendu, Seigneur, les gens que je vois en Europe depuis, qui disent que moi aussi, mais Mbengue, ils disent le nom. Vraiment, c'est le nom qui fait le mariage. Seigneur, on vit en Europe, mais apprenez les lois. Mais apprenez les lois des pays dans lesquels vous vivez. Comment ça se passe? Sachez-le, quand tu as pris les lois, quand tu as épousé une femme et qui n'a pas encore changé ses papiers, mais elle garde son nom. Elle peut le garder si elle veut, jusqu'à ce qu'elle fasse de nouveaux papiers. Est-ce que vous comprenez? Mais vous vivez, vous, c'est-à-dire, hein, quand vous venez même en Europe, vous ne copiez pas l'exemple des autres, vous ne regardez pas comment ils vivent. Vous n'allez pas prendre des renseignements. Vous n'allez pas demander que pourquoi ça, pourquoi si, avant de venir vomir des énormités sur la toile. Parce qu'après, c'est vous qui êtes ridicule. Vous ne pouvez pas demander. Vous ne savez pas que quand vous vous mariez et que votre femme n'a pas encore changé ses papiers, elle ne prend pas encore votre, elle utilise son nom. Mais vous qui dites qu'elle est veuve, elle devrait avoir le nom de son mari, non? Seigneur. C'est-à-dire, vous êtes bête. C'est-à-dire, je me suis rendu compte encore que... C'est-à-dire, quand je prends même le temps de répondre, mais je parle aux animaux de la brousse. C'est-à-dire, Yébinoura. C'est-à-dire, je me suis rendu compte que... C'est-à-dire, donc vous ne savez pas ça. Que tant que tu n'as pas changé tes papiers, tu gardes ton nom. Et quand bien même tu les changes, si tu veux garder ton nom, tu ne sais pas que tu le gardes. Donc pour vous, le nom, c'est la référence du mariage. C'est normal parce que vous vous mariez pour les papiers. Et quand vous vous mariez pour les papiers, vous courez. Pour... et après les noms, les enfants ont les noms tchadiens, kenyans, ghanéens et tout ça. Mes enfants s'appellent Jean-Louis Messang. Mon petit, il a mon nom, Jean-Louis Messang. Ça, c'est mon homonyme. Tu connais ça? Pork shit. Vous êtes bêtes. Et il n'y a que les bêtes. Je vois les gens. Oui, j'ai partagé partout. Partout. Tu as partagé chez des bêtes comme vous. Quelqu'un d'intelligent n'écoute pas ça. Il va dire, mais attends, mais sortez-moi d'ici avec des conneries. On dit, mais c'est quoi cette connerie que vous m'amenez là? Parlez de la femme de qui là? La femme que j'ai dotée avec l'argent que j'ai travaillé. La femme que j'ai dotée avec l'argent que j'ai travaillé, je suis allé jusqu'à faire une route pour aller doter. Vous parlez de quoi là? J'ai rempli les formalités du village, de la ville et du mais vous êtes. Attends, vous êtes. Savoir comment ça va dans vos têtes? Quand vous voyez Madame Messang, vous voyez que dans la réglementation du mariage, il lui manque quelque chose. Regardez autour de vous. Regardez autour de vous les gens qui sont en manque. Du Djombigom. Bidjong, on vous a déjà épousé. Tchouga, Steiner et toi, vous vous êtes mariés dans le bureau du maire. Le maire était témoin, sa femme était témoin. Vous avez qu'un témoin de mariage.
Ta robe blanche est où? Le trimobé qui t'a doté? Tu dis que je suis marié. Qui est marié qui t'a doté? Qui a dansé le jour de ton mariage? La fête s'est passée où? Trimobé, oui, Bibahé. Dans quel village? Montre-nous la photo de ton mariage. Imbécile heureuse, John Moura, Nourabi Kai, tu viens parler de moi. Parler de moi, tu, toi et moi on est pareil. Te donne un papier, tu es incapable de lire. Si tu ne peux pas lire ce papier, c'est ma vie que tu vas comprendre. La vie d'un mec qui est éduqué, tu vas la comprendre comment? Puisque tu es bête. Quoi qu'on parle seulement pour parler? Tu parles seulement pour parler? Tu vis en Europe, tu ne sais même pas comment ça fonctionne en Europe. Venez parler. Mais depuis que vous parlez du mariage, on est peut-être aujourd'hui à la 10e année. Vous n'avez pas encore su où aller demander? Je vous fais une confidence. Je vous fais une confidence. Il y a des gens qui ont écrit. Il y a des anonymes qui ont écrit. Et ils ont eu la réponse qu'ils attendaient. Et ils se sont tus. Ils ne se manifestent plus. Regardez autour de vous. Ils ne parlent plus de ça. Parce qu'ils ont envoyé des lettres anonymes. C'est trop facile de savoir si un mec est marié ou pas. Mais quand on est bête, qu'on alimente la connerie, qu'on alimente le mensonge, on dit n'importe quoi. On ne va pas s'attarder dessus. C'est de la connerie. Ça, c'est de la connerie. Ça parle tellement depuis longtemps. On va parler de la plainte, c'est ça? Ça vous intéresse? Ça vous intéresse? On va faire Lance Armstrong pour la plainte. Allez, on va grimper. On va faire le maillot jaune. Le boss. Lance Armstrong. Hein? On va faire Lance Armstrong? Ou alors Miguel Indurain. On va faire qui? Miguel Indurain ou Lance Armstrong? Ou alors l'allemand, comment il s'appelait? Jan Ulrich. Ou alors on va faire du Jan Ulrich. Hein? On va faire du Jan Ulrich. Faites les partages alors. Je vais calmer vos cœurs. Ceux qui s'inquiètent là, pour moi. On ne peut pas me gagner une citation directe. On ne peut pas. Impossible. Surtout celle-là. Est-ce que vous avez compris ça? Parce que je suis la Champions League. À ce niveau-là, je suis la Champions League. Maintenant, pour que vos têtes commencent à travailler, pour essayer de comprendre ce que je vais vous expliquer, les documents que vous voyez balader là, est-ce que vous avez fait le maximum de partage? Vous voulez la vérité, vous ne partagez pas? Là maintenant, je vous parle de la vérité que je vais vous envoyer vérifier. Vous pouvez déjà mettre dans la tête que je n'ai jamais perdu un procès parce qu'il n'y a jamais eu de procès. Il va avoir le procès. Procès et Edicom, ça va se passer. C'est de la manipulation des Waka, des menteuses à outrance. Elles ne savent que ça. Une fois de plus encore ce soir, je vais encore vous le prouver. Continuez à écouter les Waka. Je vous ai dit que la seule chose que les Waka savent faire, mentir et voler. C'est tout. La manipulation, de toute façon, c'est normal. Je n'ai jamais perdu de procès parce qu'il n'y a jamais eu de procès. Ok? Les papiers que vous voyez balader là, pour des personnes qui sont intelligentes, juste un peu, pas beaucoup d'intelligence, juste un peu d'intelligence. Quand vous parcourez ces papiers,
Et ceux qui ont eu un peu, ou qui s'y connaissent en matière judiciaire, même quand vous êtes passé au tribunal pour un divorce, vous avez quand même une idée. Quand vous voyez sur un papier, copie de travail, et on vous dit que c'est un jugement, vous ne réfléchissez pas un peu. C'est-à-dire, vous pouvez quand même être bête jusqu'à ce niveau-là, que quand une décision de tribunal tombe, un tribunal correctionnel, parce que ma plainte a été déposée dans un tribunal correctionnel de Paris, et qu'on vous amène une copie de travail du juge, et on vous dit que j'ai gagné le procès, vos cerveaux sont faits en caoutchouc, pour essayer de réfléchir un peu. Est-ce que vous avez des cerveaux, des vrais, ou des fakes, ou des frélatés? Vous avez quel genre de cerveau? Je suis en train, je veux vous lire, hein, que je sache quel genre de cerveau. Quand vous voyez copie de travail, et on vous dit que c'est un jugement de tribunal, c'est une décision de tribunal, et vous ne voyez le nom d'aucun juge, d'aucun président de tribunal, aucun juge, aucun président, même pas un greffier, aucun nom dessus, et vous jubilez que c'est une décision de tribunal, vous avez confirmé votre bêtise. Maintenant, je comprends que quand je dis Bidjong Boubora, je n'ai pas rêvé. Riebi Noura Boubora. C'est-à-dire Riebi Noura. C'est-à-dire plus Noura que vous, ça n'existe pas. C'est-à-dire, je ne sais même pas les gens que vous avez comme mari ou femme ou je ne sais pas quoi, qui ne vous conseillent même pas. Vous êtes tous à côté de la plaque. Tous. Envoyez les cœurs, s'il vous plaît. Le direct est attaqué. Envoyez les cœurs, s'il vous plaît. Envoyez les cœurs, s'il vous plaît. Envoyez les cœurs, s'il vous plaît. Ah, quelqu'un écrit. Vous vous dévoilez bien. On prend les choses sur la toile comme on voit. Donc vous prenez les choses comme elles sont. Hein? In Ramura bien, Bebasu Yidi Tibi Wankomaka, celle qui se balade avec le sopalin dans les fesses, qui ne lave pas ses fesses. Sa bouche pue comme ses fesses. Elle prend le papier, elle ne peut même pas lire. Tu ne peux pas lire. Tu ne peux pas lire ce qui est écrit. Justice, décision. Tu ne sais pas lire. Tu ne sais pas lire. Ferme ta gueule. Yibo, yon, yon. Ferme ta gueule. Tu ne sais pas lire, ferme ta puanterie de gueule. Et tu ignores ça. Tu ne connais pas. Bidjong, reste avec les Bidjong. Ne parle pas des choses des intelligents. Gens qui sont allés à l'école. Vous prenez une copie de travail du juge. Vous mettez sur la toile et vous jubilez que c'est une décision de justice. Seigneur! Bon Dieu, voilà. Mes chers amis, il n'y a jamais eu. Vous n'avez jamais été à l'école. Hein? Envoyez alors les cœurs. Vous n'avez jamais été à l'école.
Et quand on met sur Facebook, vous combattez, vous jubilez. Il a perdu. Disons même que je perds, ça change quoi dans vos vies? Vous, qui jubilez là. Qu'est-ce qu'il y a en plus dans vos vies? Ça change un peu la. Je ne sais pas quoi. Qu'est-ce que ça change dans votre vie? Ça améliore? Ou vous devenez encore plus bidjong? Ou vous évoluez d'un cran? Ou on vous respecte plus? Ou vous êtes entouré de personnes respectables et respectueuses? Vous êtes toujours avec des waka, des voleurs, des arnaqueurs. C'est eux qui sont autour de vous. Qu'est-ce qui a changé en ce moment? Rien. Rien. Dans la famille, il n'y a jamais eu de jugement. Ce qui s'est passé, c'est que la justice française, quand vous écoutez dans les journaux, que la justice française, quelquefois, il y a des erreurs de justice, il y a des erreurs, hein, même dans la rédaction d'une plainte, même dans l'observation d'une plainte, même dans la lecture d'une plainte, il y a beaucoup d'erreurs. Il y a des erreurs. Mais je peux vous dire que ce papier qui circule, il est nul et non avenu. Il n'a le nom d'aucun président, il a le nom d'aucun juge, et je peux vous certifier une chose. Mettez vos yeux. Écoutez-moi, quand je vous dis que je suis monsieur propre, vous allez confirmer le code. Que je suis monsieur propre. Braquez vos yeux là où vient ce papier. Braquez vos yeux vers la personne qui a publié. Le jour que cette publication va sauter de sa page, on va en reparler. Le jour que cette publication qu'on a envoyé partout va sauter de sa page, vous comprendrez si c'est vrai ou c'est faux. Moi, je vous donne toujours des preuves. Qu'on ne vienne pas vous dire que on a signalé ma page, les trucs ont disparu, et patati, il n'y a rien qu'on signale. Hein. On ne signale pas les pages des Waka qui ne servent à rien. Elles n'ont aucun impact dans la société. On ne peut pas la signaler. Donc, regardez, braquez vos yeux là-bas. Donc, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que, je vais déjà vous relever que j'ai eu un avocat que j'ai payé jusqu'au dernier centime. Là maintenant, quand on parle des choses de justice, il faut être sérieux. Moi, je ne parle pas des choses de justice tant qu'elle n'est pas allée au bout. Vous aurez remarqué, au moins ça, vous en conviendrez avec moi, que je n'en parle jamais. Je ne viens pas donner les détails, parce que j'attends la fin. Mais ce que je peux vous dire, c'est que, quand vous avez une affaire à Paris, en France, prenez un bon avocat. Ne prenez pas un avocat qui est dispersé. Ne prenez pas un avocat qui est ami à vos ennemis. Ne prenez pas un avocat qui circule dans les milieux camerounais. Quand vous avez une affaire que vous voulez savoir, la profondeur que vous voulez aller au bout de cette affaire, prenez un avocat qui n'a rien à voir avec ce milieu. Prenez un avocat qui n'a rien à voir. Parce qu'un avocat qui sympathise avec vos adversaires, c'est dangereux. Un avocat qui ne vous met pas au courant du déroulé de votre procédure, c'est dangereux. Un avocat qui ne vous explique pas exactement comment est-ce que la procédure se déroule, c'est dangereux. Et c'est ce que j'ai eu. Je ne vais pas vous mentir. Je suis très énervé de mon avocat que j'ai payé jusqu'au dernier centime. Parce que
j'estime, dans ma conviction, que elle n'a pas fait les choses comme il fallait. On est sérieux, hein? On est sérieux là maintenant. Écoutez-moi très bien. Un avocat qui ne suit pas votre affaire comme il faut, de bout en bout, n'est pas un bon avocat. Un avocat qui ne vous amène pas les détails de votre affaire n'est pas un bon avocat. J'ai fait une citation directe avec paiement d'une caution de 1000 euros auprès du tribunal correctionnel de Paris. J'ai payé les honoraires de mon avocat avant même que la procédure ne déroule. Ne se déroule, je veux dire. Et je peux vous dire avec certitude que la procédure dont a utilisé mon avocat pour cette plainte-là, elle était boiteuse. Elle était boiteuse. Elle n'a pas suivi les normes. Je vais vous donner un seul exemple. Si cette procédure avait suivi les normes, parce que j'ai pris un autre avocat qui n'a rien à voir avec les Noirs, qui n'a rien à voir avec les Africains et qui se base des faits et qui constate des manquements. Un seul exemple. Si la procédure s'était déroulé comme les vraies procédures de citation directe se déroulent. En même temps, on aurait attaqué le correctionnel. En même temps, on aurait attaqué la partie civile. Est-ce que vous me comprenez? Je ne peux pas vous mentir que je suis déçu de mon avocat. Je le lui ai dit. Et je n'ai pas honte de le dire. Et je peux le lui répéter partout. Je ne suis pas du tout content. Mais ça, c'est une affaire que elle et moi, on va régler. Parce que ce n'est pas fini. Ça va se régler. Ça ne se passe nulle part comme ça. Un avocat a des obligations quand il est payé. Un avocat a des obligations. Quand vous enlevez votre argent, vous allez dans un cabinet d'avocat. Vous parlez, elle vous donne le montant des honoraires, vous payez. Elle a des obligations jusqu'à la fin du procès. Et quand il y a faille dans ses obligations, vous pouvez toucher ses supérieurs. Et qu'on vous explique la procédure. Imaginez-vous ce que vous voyez sur la toile. Vous voyez très bien, c'est écrit. C'est écrit. Copie de travail. Moi qui suis là aujourd'hui, jusqu'à cette heure-ci, la décision du 14, jusqu'à cette heure-ci, je n'ai reçu aucun papier officiel de mon avocat que j'ai payé. Dieu en descend, ni. Dieu en descend, ni. J'ai appris dans les réseaux, pas par la voix de mon avocat, dans les réseaux, que ma procédure a été jugée par le procureur. Ce qui est d'abord des infos. Parce que ce n'est pas le procureur qui l'annule. Il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. Que ma citation directe est nulle. Parce qu'elle est mal rédigée. Parce qu'elle est mal paragraphée. Parce que c'est
Parce que les dénonciations sont mal faites. Je ne sais pas si vous comprenez. Ce n'est pas moi qui fais une citation directe, c'est un avocat. Parce que l'autre qui jubile, qui vous dit j'ai gagné le procès, on n'a même pas encore touché le dossier. Hein, dont les insultes et tout ça. Les deux vidéos, parce qu'il y en a deux. Les gens sont fous dans la tête. Il y a une vidéo d'insulte et une vidéo d'excuse. Puis on les s'en dit. Il y a une vidéo d'insulte et une vidéo d'excuse. On n'est même pas encore arrivé là-bas. Donc quand le procureur prend ma plainte et qu'il la lit, qui regarde, il constate qu'il y a des failles à l'envoi de cette plainte. Sans même que le dossier de fond ne soit entamé, il dit je ne peux pas continuer parce que la présentation n'est pas bonne. Et c'est là que quelqu'un vous dit qu'il a gagné le procès ou elle a gagné le procès. Et ça jubile. Non. Je peux vous rassurer que l'appel a été fait immédiatement. Parce que le nouvel avocat a constaté toutes ses failles. Donc ne jubilez pas. Le procès n'a pas encore commencé. Il va avoir lieu. Le procès, le vrai, va avoir lieu. Donc, on ne vous mente pas. C'est pour ça quand le Trimobet prend le papier, il ne peut même pas lire ce qui est écrit. Vous avez vu une Waka vous dire la vérité un jour? Elle ment seulement. Est-ce qu'une Waka est dans la vérité? Toujours dans le mensonge. Donc, ma citation directe a été jugée très mal écrite, adressée. Et elle a été écrite par qui? Par mon avocat, c'est pas moi. Moi, je ne sais pas faire de citation directe. C'est-à-dire, l'avocat de la partie civile n'a même jamais défendu son client. N'a même jamais donné quoi que ce soit. C'est-à-dire, on n'a même pas permis de toucher le fond du dossier. Que la simple lecture dit, cette citation ne peut pas aller loin. Elle est très mal faite. Est-ce que vous me comprenez? Donc vous qui avez été à l'école, si c'est ça gagner un procès, je vous donne le tchaka. Mais je peux vous dire que l'appel a immédiatement été fait. Et je peux vous dire que ce papier que vous voyez, même aux yeux des nouveaux avocats, le papier qui circule, il est douteux parce qu'il n'y a aucun nom. Et la personne qui a publié ce papier va répondre de ses actes. Même si ce papier vient de son avocat, parce qu'il y a deux ou trois suspicion. Parce que ça, c'est une copie, ce n'est jamais l'original. C'est-à-dire, vous voyez très bien que copie de travail, soit quelqu'un l'a tiré vers le tribunal correctionnel de Paris, soit c'est son avocat qui lui aurait donné, mais ça, ce n'est pas le papier définitif du délibéré. Parce qu'il n'y a jamais eu une action, il n'a jamais eu de procès. Hein. Il y a eu un délibéré par rapport au dépôt de ma plainte qui a été jugé nul. La plainte est nulle, elle est très mal faite. Oui, monsieur. C'est pour ça que je vous dis que je suis un légaliste. Et là où le bât blesse, c'est que faudrait que vous le sachiez. Moi, le plaignant,
Je n'étais pas au courant du jour du délibéré. Est-ce que c'est normal? Je pose la question. Ce qui s'est passé, je vais vous expliquer ça. Parce que les nouveaux avocats, là, ce n'est pas les noirs. La vérité va sortir. Je viens de vous l'expliquer ici. La vérité du papier que vous voyez circuler, là, où on jubile que j'ai gagné le procès. Un délibéré, une copie de travail, une copie, parce que ce papier-là, ce n'est pas l'original, ce n'est pas la décision du délibéré. Parce qu'une décision de délibéré, ça ne se dit pas copie. Et puis vous voyez le nom du juge qui a signé, ou du procureur, mais un papier qui n'a aucun nom, et que vous voyez à l'entête copie de travail. Vous savez, il y a le faux partout, hein? Il y a trop de faux même. Mais des fois, Dieu fait que on vous attrape la main dans le sac. Parce qu'en publiant ce papier-là, elle ne savait pas les retombées de ce papier. Mais il y aura des retombées, je peux vous garantir. Et moi, je suis un procédurier. Je ne suis pas pressé dans les procédures judiciaires. Je prends le temps. Je prends le temps. Donc si mon avocat connaît les dates, elle ne me dit pas. Mais elle m'a dit. C'est surécrit. Et c'est là où il y a hic. Mon avocat m'a dit que le délibéré, ce sera le 15 septembre. C'est encore surécrit. C'est encore surécrit. Mon avocat m'a dit, monsieur, mais sans votre délibéré, c'est le 15 septembre. Quand cette publication tombe sur la toile le 14, parce qu'on m'envoie la vidéo de jubilation, où on jubile qu'on a gagné le procès, je dis, mais quel procès? Je ne suis pas au courant. C'est vous qui me parlez de mon procès? On me dit, mais oui, monsieur, mais ça vous avez perdu le procès. Tout le monde est au courant. J'ai dit, ok, j'ai perdu quel procès? Mais le procès avait, j'ai dit, ah bon, mais il n'y a pas de procès. On dit, ok, attendez, on vous envoie la vidéo. Je regarde la vidéo. Je dis, hey, on est le 14. Quel procès? Tout de suite, le réflexe, c'est d'appeler mon avocat. De lui demander que, mais, qu'est-ce que j'entends là? Surécrit encore. Et avec message vocal WhatsApp, mon avocat me dit que elle n'est pas au courant d'un procès du 14, d'un délibéré le 14. Elle sait que le délibéré, c'est le 15. Je lui dis, voilà donc la vidéo. Je lui envoie la vidéo. Elle me dit, elle me demande la vidéo, je lui envoie. Quand on me l'a envoyé. Elle écoute la vidéo. Elle me dit, c'est une folle. Je ne m'occupe pas des histoires des réseaux sociaux. Moi, je te dis que le délibéré, c'est le 15. J'ai dit, ok. De toute façon, moi, c'est toi mon avocat. Moi, je te crois. Et le 15, je l'appelle de nouveau pour prendre des nouvelles. Jusqu'à 19h, le 15. Parce que je pense que c'était mon dernier coup de fil à 19h parce que j'étais dans des trucs de Ndabi Coco et tout. Vous savez, vous avez vu, j'avais pas trop le temps. Donc j'étais dans le Ndabi Coco. Je crois qu'avant de commencer la séance, c'est là où je l'ai appelé. Elle me dit que monsieur Messange, je suis au courant de rien. Le procureur, je sais pas qu'est-ce qu'elle m'a dit, le procureur ne m'a pas encore appelé ou je sais pas qui. Donc je ne suis au courant de rien. Mais au plus tard demain, lundi, je serai au courant. Donc mon avocat, c'est lundi soir à mon appel qu'elle me dit que oui, on a jugé que la plainte est nulle. Je lui demande donc que finalement ce que je vous ai dit jeudi, la vidéo que je vous ai envoyée,
Donc c'est cette personne qui avait raison. Ça veut dire qu'au délibéré, vous, vous n'étiez pas là. Moi, je n'étais pas là. Mon avocat de me dire que, monsieur Messant, je ne suis pas, un avocat n'est pas obligé d'être présent lors du délibéré. OK. Mais je lui demande, est-ce que moi, je ne suis pas, un avocat ne doit pas me mettre au courant du jour de délibéré? Je ne sais pas. Peut-être que l'avocat n'a pas obligation de présence, mais est-ce qu'elle n'a pas aussi obligation de me dire au moins quand est-ce que se déroule le délibéré? Elle insiste sur le 15 et pourtant le délibéré c'est le 14. Je l'appelle le 14. Quand les vidéos sont dehors, on jubile qu'on a gagné le procès. Elle me dit que ce que cette femme-là fait c'est des conneries, c'est la folie. Le délibéré c'est demain 15. Et demain 15, mon avocat n'a pas encore les nouvelles du délibéré. Elle a les nouvelles du délibéré que lundi. Bravo. Vous savez, prenez de bons avocats. Très important. Très important. Je dis et je répète, mon avocat sait qu'on a un contentieux. Grave. Elle le sait. On a un contentieux grave. Non seulement ce contentieux, je ne suis pas du tout d'accord de la procédure entreprise qui a été payée. Je ne suis pas d'accord. Mais pour l'instant, je m'arrête là. Parce que lundi qui commence. Une chose est sûre, l'appel a été fait. Donc ce que vous voyez là, c'est nul et non avenu. Et la plus grosse erreur, c'est la divulgation de ce dossier qui est sur la toile. Je vous dis encore, mais braquez les yeux vers cette page-là. Si ce dossier-là saute, posez la question pourquoi ça a sauté. Parce que maintenant, les vraies affaires vont commencer. Et avec les vrais avocats. Est-ce qu'on a le droit de publier une copie de travail sur la toile? That is the question. Est-ce qu'on a le droit de divulguer ce genre d'informations? That is the question. Comment est-ce que vous avez eu une copie et pas l'original que moi aussi je devrais avoir? Parce que c'est quand même moi le plaignant, mais que je n'en ai pas. Je n'ai rien. Je dis que jusqu'au jour d'aujourd'hui, 26, je n'ai aucun papier de ce délibéré. Aucun. Ce que j'ai, c'est l'appel qui a été fait deux ou trois jours après pour annuler ce que vous voyez là, ce que les gens jubilent là. Parce que la citation doit normalement être faite. Parce qu'il y a des faits. Ce n'est pas du bavardage inutile. Les faits sont là. Mais elles ont été mal détaillées. Vous avez compris la vérité maintenant? Les petites vendeuses de rêves là sur la toile et les menteurs. Applaudissez alors monsieur propre. Applaudissez monsieur propre parce que c'est le seul à vous donner la vraie information. Parce que moi j'aime laisser les gens mentir pour venir vous mettre à votre misérable place. Vous avez donc compris? Applaudissez alors, envoyez les cœurs pour monsieur propre. Je suis et demeure monsieur propre sur la toile. Il n'y en a pas deux. Il n'y en a pas deux. Le reste là. Maintenant, les vraies choses vont commencer. Parce que j'ai donné 2 ans pour ce problème. Je vous avais dit ici, vous n'allez pas me dire que il veut faire comme les autres. Je vous avais dit ici que quand la procédure européenne sera finie, les mêmes vidéos j'ai utilisées ici pour porter plainte, je vais les amener au Cameroun. Je vous avais dit ça. Parce que très prochainement, je vais entreprendre la même procédure
avec les vidéos au Cameroun. Je vous avais dit ça. Parce que là maintenant, en France, on va commencer une autre procédure. On va recommencer. Mais je ne vais plus attendre. On va faire les deux procédures en parallèle. Et ici, et au Cameroun. Parce que nous sommes tous deux des Camerounais. Do you understand me? Do you understand me? Si Dieu prête vie, je serai au Cameroun très prochainement. Vous allez comprendre que j'adore la procédure judiciaire. Surtout quand je suis attaqué. C'est-à-dire dans le mensonge, hein, les attaques là que Mouf, tu es si brave, j'ai rien à foutre. Je suis un PTT, je travaille tellement dur. Tu m'appelles proxénète, je te porte plainte. Parce que je ne suis pas ça. Je travaille trop dur pour laisser un individu m'appeler proxénète. Je travaille trop dur pour laisser un individu m'appeler, je te porte plainte. Et je mets autant de moyens qu'il faut pour qu'on ait un résultat. Et quand c'est entre nous, Africains, sache que si j'étais porté plainte en Europe, quand c'est fini, je prends les mêmes dossiers, je les emmène chez nous. Là-bas aussi. Donc dans les jours à venir, c'est la même procédure de citation directe qui sera faite au Cameroun. Donc ne jubilez pas. Vous n'êtes pas encore sorti. Non, on commence seulement. On va seulement commencer. Celui qui vous a dit que prenez les documents, déjà qui ne sont pas officiels, parce que c'est une copie de travail, venez les balancer dans le mensonge, parce que même la vidéo, mon nouvel avocat là, j'ai gagné. Son avocat n'était pas là. Lui-même n'était pas là. Et le président du tribunal a décidé que j'ai gagné. Et vous croyez à ça? On va s'expliquer. Moi, j'adore ça. J'adore ça. Mais je vais vous dire une chose. Un mauvais avocat vous fait perdre votre procès en France. Un mauvais avocat vous fait... C'est-à-dire, si moi, je n'étais pas futé d'avoir de bonnes relations en France, parce que moi, quand quelque chose sort, je vais vers les connaisseurs, je le demande. Je donne les papiers, je dis vérifier, qu'est-ce qui se passe? Moi, je ne maîtrise pas. Quand c'est les connaisseurs qui te disent qu'il y a une faille, on n'a jamais vu ce genre de travail. Un document qui s'appelle copie de travail du juge, qui se retrouve dans les réseaux, et que les gens vous disent que j'ai gagné le procès. Et pourtant, le procès n'a jamais eu lieu. Ça, c'est les délibérés. On appelle ça, en termes juridiques, des exceptions de justice. C'est des exceptions que le procureur a notées sur le dépôt de plainte, le dépôt de la citation directe. Et de ces exceptions qu'il a trouvées sur la plainte, il a trouvé que c'est mal structuré. Et on vient sur la toile vous dire que j'ai gagné le procès. Tout ça est condamnable. Ça ne fait que ajouter. Je vous dis d'avance, mettez vos yeux vers cette page-là. Qui a mis la publication? Surtout qu'elle ne saute pas cette publication. Et ne nous dites pas qu'on l'a signalée. On ne signale pas les gens qui ne représentent rien dans les réseaux. Do you understand me? Do you understand me? Donc, monsieur propre que je suis, je le suis aujourd'hui, demain et après-demain. Et moi, je ne perds jamais un procès. Parce que je n'entends pas un procès où je suis perdant. Je ne fais pas d'ampoule miennes. Merci Amélie. Merci la Glutabos. C'est tout. C'est tout. Mais ça va se savoir. Même l'avocate là. C'est pas fini entre nous.
Je suis son client, non? J'ai payé, non? Je ne suis pas satisfait de mon travail, non? Je sais où je vais m'adresser. On va marcher là-bas. Tranquillement, tranquille. Sans même stresser. Sans même stresser. Donc, les gens qui jubilent, calmos, bas la terre, bas la terre. On n'a pas encore commencé. Mais vous m'avez encore donné un plus pour vous acculer encore. Parce que vous présentez, je peux appeler ça de faux documents. Parce que juridiquement parlant, c'est comme ça que eux, hein, les gens de la loi là-bas, ils appellent ça. Parce qu'on n'a jamais vu une copie de travail d'un juge d'instruction se retrouver dans les réseaux. On a volé. C'est l'ami du juge qui a donné. C'est le juge, on ne sait pas. C'est comment? Puisque c'est un papier qui vient de l'État, on va savoir. Donc les condamnations ne sont pas finies. Et je peux vous rappeler que dans mon pays, le Cameroun, les choses ne se passent pas comme ça. La citation directe que je vais poser au Cameroun, je crois que j'ai assez de preuves et d'arguments pour aller plus vite. Donc, sur ce, la famille, pour ceux qui auraient des questions, vous pouvez les poser vite fait, parce que demain, c'est le travail. Demain, c'est le travail, on va se coucher, on va se reposer. Je crois que mes amis, vous avez compris que je suis le seul monsieur propre de cette toile. Vous avez autour de vous que des menteurs, des manipulateurs qui s'agitent à la première écriture mensongère parce qu'eux, ils se nourrissent du mensonge. Ils ont fait du mensonge leur quotidien. C'est-à-dire le mensonge pour eux, avec leurs adeptes qui adhèrent au mensonge. Quand tu viens avec le mensonge, ils sont contents, ils ne cherchent pas. C'est-à-dire tu viens avec une copie. Il n'y a aucun de cette bande d'abrutis, bidjong bibora, de se poser la question que un procès, ok, tu l'as gagné. Mais pourquoi ce que tu nous présentes, c'est une copie de travail? Il n'y a aucun dans cette bande de binoura qui peut se poser cette question. Aucun. Aucun ne se pose cette question. Ça jubile. Quand je dis que c'est des patates du même sillon, tu vas parler à qui? Tu vas laisser qui? Tu vas parler. C'est-à-dire, tu vas demander quoi à qui? Ils comprennent rien. Ils ne comprennent rien. La personne qui a envoyé la demande, là, on me dit refuser. Hein? Donc, essayez de sortir et revenez. Ressortez du live et vous revenez. Dans la famille, Paris, la France que vous voyez là, il y a tellement d'erreurs judiciaires. Parce que non seulement les tribunaux sont archi pleins, tu as des juges qui veulent aller vite sur un problème, peut-être qu'ils ne regardent pas les détails, et encore, quand votre conseil vient avec votre dossier qui est mal ficelé, il suffit qu'il trouve la moindre faille pour mettre ça hors d'état de dire non, c'est nul. Parce qu'il y a tellement de dossiers qui attendent, ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps de rentrer dans les normes. Je vous dis qu'on n'a pas, c'est-à-dire on n'a pas touché l'affaire. Les vidéos que vous connaissez, rien, on n'a parlé de rien. On n'est pas arrivé là-bas, on est seulement sur l'acceptation de la plainte ou pas, et de la citation. Et on dit qu'on a gagné le procès. Donc, arrêtez de suivre les nuls. Arrêtez de suivre les gens qui ne servent à rien. Quand ils parlent devant vous, dites-leur que vous êtes des menteurs. Vous êtes des menteuses. Il n'y a rien de vrai qui sort de vos bouches. Dites-le-leur tout simplement. Dites-le-leur. Parce que maintenant, les vraies choses vont commencer.
En commençant par ce que vous avez divulgué partout, là, vous allez comprendre que il est interdit. Même quand c'est officiel, hein. Encore que ça, c'est officieux. C'est une copie, hein. C'est même pas l'original, hein. Une copie de travail. Allez relire, hein. Il est nous ramenons. Réfléchis bien. Amélie, donc tu le connais, tu ne fais pas confiance à ton frère. Tu ne me fais pas confiance. Tu ne vois pas comment je suis serein. Parce que j'ai les écrits, j'ai les échanges, j'ai tout. Et en France, quand un client se plaint, un client a le droit de se plaindre que sa procédure n'a pas été bien faite. Et ceux-là, qui sont compétents à constater si la procédure est faite ou pas, ils vont le constater parce que c'est un droit. Quand tu as payé, tu as besoin d'un bon service. Quand tu n'as pas un bon service, tu réclames. Tu réclames, c'est normal. Et c'est ce que je fais. Je vous dis encore que je ne suis pas content de mon avocat. Et ça ne va pas se passer comme ça. Non. Non, ça ne peut pas se passer comme ça. Voilà. Donc, finalement, les amis, je crois que je vous ai dit ce soir ce que les menteurs ont voulu véhiculer comme message. Quand je viens, j'arrête le mensonge. Vous-même, vous savez, non? C'est pour ça que je les laisse. Quand ça sort, je laisse tout le monde parler. Prends le temps. Je les laisse vociférer. Après, je viens. Bim! Je dis que prenez vos yeux, braquez vers j'ai gagné le procès. Son avocat n'était pas là, lui-même n'était pas là. Le président a décidé que j'ai gagné. La publication, on l'a surveillée là. Vous allez entendre dans quelques jours. Vous allez entendre. On ne rigole pas avec la loi. Tout à fait, Lionel. Vous allez me voir, vous allez me revoir très bientôt. N'oubliez pas, le 15 octobre, sortie officielle des quatre dames de la star. Trimobé, Beba Moura, John Moura, Moura Mahindi, Tibi Yindi ou Nkomaka, je vais t'offrir une gamme caramel. On va nettoyer de force ta mauvaise peau. On va la nettoyer. On va la nettoyer. Toi, je te l'offre. Parce que ta mauvaise couleur que tu as, elle doit partir. John Young, viens encore parler de mes affaires. Ouvre ta mauvaise bouche là qui est transpercée. Là. Tu n'arrives même pas à contenir ta mauvaise salive avec la langue que tu ne sais même pas racler. Nourabi Kai, Beba Souendibjou, tu viens parler de mes affaires. Tu sais lire français? Tu sais comprendre français? Quand un juge écrit, tu sais lire? Est-ce que tu as la compréhension du texte? Tu viens aussi. Reste dans tes histoires de Congo, ça. Restez dans tes histoires de c'est telle star qui m'a donné ma première bière. Vraiment, la première bière que j'ai bu, c'est telle star. Telle star sort avec les femmes. Telle star sort avec les hommes. Restez dans ça, c'est ce qui te convient. Quand c'est intellectuel, là, ne parle pas de ça, tu ne connais pas. John Yombi Kai, pète de somme, nous ramoni. Bon, j'ai dit samedi le 15. Dimanche le 15. Les invitations là, que vous allez recevoir, les invitations, quand tu as l'invitation, ça dit que tu vas acheter. Ce n'est pas l'anniversaire qu'on vient seulement boire et manger. Bakane va s'aller Rikener Nour là-haut. Rikener Nour là-haut. Ce n'est pas l'anniversaire là-bas. C'est un protocole d'achat de produits. Donc quand tu es invité là, sache que tu viens pour acheter un produit ou une gamme. Mais on ne vient pas seulement là pour boire et manger. Ce n'est pas le sasaïe là-bas.
Ça s'appelle Star Beauty. À John Moura, Chuga Leonie Steiner. Prends ton téléphone, parle de la femme qui révolutionne le monde cosmétique. Qui sort, bim, 4 gammes pour mettre tout le monde à l'aise. Défiant, c'est-à-dire les prix de la Star Messan défie tous les prix du monde. Parce qu'on n'est pas là pour en mettre dans les poches. On est là pour changer le quotidien des femmes. Des vraies femmes. Pas des waka, pas des menteuses, pas des djombura. Dès on descend, lui. Sur ce, la famille. Exactement, Amélie. La vraie marque de l'heure. La vraie marque de l'heure. Sur ce, la famille. Je dois vous laisser parce que demain c'est mardi. Mercredi, on travaille. On travaille demain, nous. Hein, on est PTT, on travaille demain. Merci d'être là. Merci d'avoir intervenu. Et surtout, merci d'avoir compris que, une fois de plus, la seule page de la vérité, c'est celle-ci. Sans oublier ceci, le 15 octobre, sortie officielle de la gamme cosmétique Star Messan, Star Beauty. La femme de Jean-Louis Messan qui sort, bim, 4 gammes. Et les célibataires endurcis qu'on n'a jamais dotés, qui dormaient seuls tous les soirs, qui n'ont jamais eu le plaisir avec un mec. L'autre trimobet, John Moura, Moura Moura, Yindi Tibi ou un Komaka, qui n'a jamais connu ce que c'est que l'amour d'un homme. Le mec qui rentre dans le bordel le premier jour où il connaît les femmes, il tombe sur le trimobet et il va l'épouser à la mairie. La femme est témoin, le maire est témoin. On lui donne les papiers, elle vient parler des choses des mariés. Noura yomi yibetoyom. Au lieu de parler de la gamme, tu ne vois pas la gamme? Celle-là, tu ne la vois pas pour parler de ça? Jong yomi yibetoyom, il dit. Tu te balades avec le papier, le sopalin dans les fesses. En 2021, au 21e siècle, et tu viens parler de moi. La prochaine fois, tu sais où je t'attends, te glisse là-bas. Là-bas que je t'attends. Vers refaire le portrait de ton truc là. J'attends ça impatiemment. Bon, la famille, je vous dis bonne nuit. Sortez couverts. Surtout, les femmes qui entourent la star Messan, le couple Messan, restez les femmes que vous êtes. Pavlik Patricia qui était dans ce direct, reste comme tu es, une vraie PTT. La glutabose qu'on ne présente plus, je vous ai dit la dernière fois, pour changer plus vite, vous là, les peaux qui sont bizarres, quand vous avez pris du glutathion ou du collagène, finissez avec la Star Beauty. Si c'est la gamme soleil, lumière que vous voulez, oh, prenez d'abord du collagène et du glutathion parce que la santé commence par l'intérieur. De l'intérieur, ça affine la peau. Quand vous avez pris ça, les gélules, finissez avec la gamme lumière ou la gamme caramel. Dieu en est ni. C'est comme ça. Dont les femmes qui entourent le couple Messan. Glutabose cosmétique. Vous l'avez vu, vous l'avez souvent vu là-dedans. Vous allez faire comment pour l'avoir? Cynthia du Chalet qui était dans ce direct. La place des grands hommes à Paris. Le seul restaurant où Jean-Louis Messan chante en live avec un député de notre Assemblée nationale. Oui, monsieur. Il n'y a pas son deux à Paris. Le seul restaurant où quand tu manges, tu suces les doigts. Le restaurant, le chalet à Bagnolet. Ça, c'est les amis du couple Messan. Je dis que ça, c'est les amis du couple Messan. La femme de Dieu, Pasto, le Pasto moderne, élégance à Gabi. Élégance à Gabi. Les voilà. Est-ce que vous les voyez s'agiter sur la toile?
Il y a des femmes qui se respectent. Quand tu les vois, tu donnes le tchaka. La PTT Brigitte, vous connaissez, non? Salon de coiffure. Elle n'est pas dans le gnoc-gnoc, gnac-gnac, non. Posée. Vous ne voyez pas l'agité. Flor Chaps, celle qui habille toutes les femmes. Tenue italienne. Quand vous voulez la belle chaussure italienne. Je vous cite les femmes qui sont autour du groupe Messang. Hein. Venez aussi me citer vos voleuses et vos wakas. On va les comparer. On va comparer le niveau. Vous comprenez qu'on n'est pas du même niveau. Vous avez les amis comme le Trimobet. Quelqu'un qui est dans le sorry, le matin, sorry. Toujours des histoires qu'on ne peut même pas vérifier. Le sorry, le matin, sorry. Elle vient avec le mauvais visage. Elle crache sur le téléphone. Elle vous fait peur avec son visage. Entre-temps, ses fesses ont les caca. Elle n'a pas lavé les fesses. C'est elle qui parle. Et après, vous dites, voilà mon ami. Elle peut être l'ami de qui? Vous avez des amis comme ça, vous les amenez où? Servent à quoi? Vous servez à quoi? Flor Chaps. Régine Goliken. Oui. Elle vous habille, elle a le beau vêtement. Elle a le bon vêtement. Vous avez compris? Elle a le bon vêtement. Voilà les femmes qui entourent. Vous connaissez Léa Abion? Quand elle prie sur toi, parce qu'on n'est pas seulement entouré, c'est-à-dire il y a du spirituel autour. C'est ça qu'on appelle une famille posée. Vous avez tout ce monde autour parce qu'on a besoin de ça dans la vie. C'est ce genre de personnes qu'on a besoin. Quand Léa Abion fait une prophétie sur toi, ça te touche. Voilà les amis du couple Messang. Pas les voleurs. Que tu entends qu'elle est passée là, oh, elle a volé le nom. Oh, elle a travaillé dans la chambre de sa copine. Il y a un client qui est venu, elle a pris 50 euros dans la poche. L'autre a volé un paquet de cigarettes. L'autre a volé le briquet. Toujours dans les histoires de vol. Toujours dans les histoires de... Vraiment. Et ça vient parler sur la toile. Parler de quoi? Parler de quoi? Hein? Sans oublier la... ma personne personnelle, depuis Toulouse, celle qui raffine les femmes. Quand tu viens dans son institut, tu te couches. Trimobet, quand je vais t'offrir la gamme caramel, tu vas commencer à l'utiliser. Je vais aussi payer tes soins chez Patricia de Toulouse. Tu vas aller dans l'institut là. Tes mauvais poils que tu as qui sont comme les tire-bouchons là. Parce qu'elle, elle épile les femmes. Elle travaille les femmes. Tu vas aller là-bas. Mais avant, tu vas bien te laver parce qu'elle ne supporte pas les odeurs. Quand tu vas écarter là-bas, tu vas prendre tout le sujet avec les mauvaises eaux dedans. Tu dois d'abord bien te laver. Comme ton ami qui se lave avec du vinaigre. Tu dois d'abord bien te laver avant d'aller là-bas. Là, tu écartes, elle te pile, elle te travaille. Je vais payer. Voilà les femmes qui entourent le couple, mes amis. Venez parler aux gens. Bauxite, tchong, nouabougom. Vous croyez que je n'ai pas le temps? J'ai le temps pour vous. Quand je veux. Quand je veux, j'ai dit aujourd'hui, je prends le... Je viens. Je vous remets à l'ordre. Je repars. Après, vous pouvez brailler. Et je reviens quand je voudrais. Pas quand vous, vous avez envie. Nouabougom. Sur ce, la famille... Je vous dis une bonne soirée. À très bientôt pour sûrement un prochain direct. Et juste une autre annonce. Tout ce qui concerne la Star Beauty prochainement se passera dans l'autre page que vous connaissez qui s'appelle Star Officiel, mais qui prendra le nom Star Beauty dans les prochains jours parce qu'on est en plein travail. Et là-bas, il n'y aura que du Star Beauty. Il n'y aura que du Star Beauty. Toutes les publicités, tous les produits
les prix et tout ce que vous voulez, tout sera de ce côté-là. De Star, qui s'appelle encore jusqu'aujourd'hui Star Officiel, mais qui très bientôt prendra le nom de Star Beauty. Donc, je vous souhaite une bonne soirée. Merci à mes PTT. Merci à la famille qui est autour du couple Messan, dont j'ai cité tout à l'heure, les plus proches. Je ne peux pas citer tout le monde. Très souvent, je cite les gens qu'on connaît sur la toile, hein, que vous connaissez. C'est pour ça que je signe. Quand je parle de Patricia Pavli, Patricia de Toulouse, Cynthia, La Glutabos, Léa Abium, Régine, Brigitte, Flore Chaps. C'est les gens que vous voyez très souvent, que vous connaissez. Mais sinon, il y a encore beaucoup d'autres. Il y a beaucoup de PTT qui ne veulent pas être cités, mais qui sont là. Sans oublier, oh là là, j'allais oublier ma star. Notre star. Je ne sais pas si elle était là ce soir, Natacha Bizot. Je ne sais pas si elle était là ce soir. C'est notre star, Natacha Bizot. Oui, la star de PTT, qui est aussi un membre influent du couple Messan. Oui, oui, un membre très, très influent. Donc, voilà. Mais pour le reste, il y a beaucoup autour. Sans oublier, oh là là, j'ai failli oublier le big manager depuis les États-Unis d'Amérique. À Washington, le big manager. Je ne sais pas si elle était là ce soir, mais voilà les proches, voilà les amis. Dans la famille, merci au PTT, merci aux justiciers. Et merci d'avoir encore compris ce soir que je suis monsieur propre. On ne peut pas me salir. Et on ne me salira jamais. Surtout pas sur la toile. Et pour les nouvelles, vous les aurez très très bientôt. On est ensemble la famille. One peace, one love. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous protège. Vous les femmes qui n'avez pas d'hommes, priez que Dieu vous donne les hommes. Vous les hommes qui n'avez pas de femmes, priez que Dieu vous donne les femmes. Comme ça vous allez moins vous occuper des choses des autres. Vous allez parler de vos vies, vous allez parler de vos projets, vous allez parler de vos enfants, vous allez parler de votre couple, et peut-être de vos amis. Ciao la famille. One peace, one love. Bye bye. On est ensemble.